Salut à tous et toutes. On est parti pour la soirée habituelle qui sera, je le rappelle, la dernière sur YouTube en direct. À partir de la semaine prochaine, si vous voulez me poser vos questions, il va falloir vous inscrire sur la liste mail que j'ai mise en place sur mon site internet. Étant donné que mon ancienne chaîne YouTube a fait totalement faillite suite à ce qu'un petit malin a mis une photo d'une femme pas très habillée en direct, ma chaîne a totalement sauté. Mon ancienne chaîne du coup, et donc du coup, j'ai dû recréer cette nouvelle chaîne YouTube. Donc, si à l'avenir vous voulez, je suis flou. Si à l'avenir vous voulez me poser vos questions, n'hésitez pas à vous inscrire via mon site internet qui défile en bas de l'écran. Alors, pardon. On va être parti avec Olivier. Allô. Salut. Bonsoir. Olivier. Salut Samuel. Comment tu vas? Ça va, un peu de stress, mais ça va. Ça fait un petit temps que je suis pas passé. Je me posais une question. En fait, depuis récemment, j'allais déjà beaucoup aux toilettes de la nuit. Mais là, depuis 2 jours, j'ai vraiment 4 fois aux toilettes de la nuit. Et j'urine pas de grande quantité de tout. Donc, je me demandais, je prends déjà un médicament par rapport à ça. Je me demandais qu'est-ce que ça peut être lié à toi psychologiquement. Ok, c'est la première fois qu'on pose un sujet comme ça. Ça, c'est sûr. Alors, tu vas aux toilettes plusieurs fois par nuit sans savoir pourquoi. Ben, je dois y aller, mais on va dire que c'est trop. Alors, très intéressant. Franchement, je... Alors, je vais me concentrer. Qu'est-ce que ça renvoie à ta problématique derrière ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a une peur. Il y a quelque chose que tu tentes de fuir. Ah, c'est un truc. Ah, c'est assez intéressant. En gros, tu essaies de fuir quelque chose qui est dans ton sommeil, si tu veux. La notion de repos, la notion de. Tu t'agites tout le temps. Voilà, c'est ça, en gros. Tu es en train de t'agiter tout le temps sans avoir vraiment de pause, de temps de repos. Ouais, il y a un côté hyper agité chez toi qui veut pas du tout se calmer quoi qu'il arrive. Pardon. Donc t'es en quête constance de quelque chose. Sans avoir de temps de repos. Donc le truc pour toi, c'est de commencer à... Ah oui, ok, c'est ça. Tu souhaites être dans la norme de ce que c'est vivre au quotidien. Et donc t'es dans une sorte de mimétisme de ce que c'est de ce que c'est vivre. Et vivre, bah, c'est s'agiter dans tous les sens, avoir beaucoup de pensées, avoir beaucoup d'agitation, et surtout pour toi, avoir beaucoup d'émotions qui vont dans tous les sens. T'es crispé. Ouais, ok, c'est ça. Il y a un truc par rapport auquel tu n'es pas à l'aise. Comme si tu étais stressé. Ouais, c'est ça que je suis en train de toucher. Je suis en train de toucher du stress. Tu n'arrives vraiment pas à te calmer.
Donc, je ne sais pas par quel moyen tu peux faire ça, mais il va bien falloir à un moment donné accepter, voilà, cette zone de repos, cette zone de non-action, cette zone de vide, cette zone où il n'y a pas de, y a pas d'agitation, il n'y a pas de, comment on dit déjà? Cette zone où il n'y a pas de... J'ai pas le mot qui me vient en tête, merde. Bref, ça va me revenir. Donc, alors, le vide te fait peur, si je prends à l'inverse. T'as extrêmement... Tu crains le fait de te retrouver dans ce vide parce que les rêves t'y emmènent. En tout cas, ce que tu vis pendant la nuit, même si tu t'en souviens pas, quoi qu'il arrive, ça t'y emmène. Et ça, t'as pas envie. T'as pas envie d'aller toucher du doigt. Donc c'est une résistance. C'est C'est comme une forme. si t'étais, si je te prends, si je te renverse les choses, si je te reformule, t'es éveillé, tu vis ta vie, et à chaque fois que tu rencontres une situation difficile, tu t'échappes dans ton imaginaire. Bah là, c'est pareil. À chaque fois que tu es dans ton imaginaire, donc dans tes rêves la nuit, dès que tu vas à la rencontre de quelque chose qui est totalement paniquant pour toi, tu te réveilles et tu reviens au monde, à la matière. Ah oui, donc c'est pas une peur de la mort, un truc comme ça, ou je veux dire le vide, la mort. Alors, vide et mort, ça résonne pas du tout, ça te branche pas du tout pareil. Dans ta structure. Parce que j'ai eu ça à un moment, la peur de. C'est un vide où il n'y a plus rien, et. Mais Mais là. ça, c'est pas la mort. Ouais, c'est pas la mort. C'est vrai que je le vis plus trop comme la mort, mais bon, des fois je fais de la méditation chez moi et je ferme les yeux et je suis dans le vide, ça me fait du bien. Et c'est vrai et à un moment j'ai besoin de qu'il se passe quelque chose en moi, quoi. Ça, c'est vrai qu'il y a comme besoin qu'il se passe des émotions, même si c'est pas toujours des positives. Comme tu dis, j'oscille entre les deux, entre le calme et le. Et la tempête, parce que des fois c'est très émotionnel, du fait que je me sens vite envahi. Ouais. J'ai un problème de fond. Ouais, t'as peur de rester en place. Cette peur de rester en place, elle est vraiment... Ah, voilà. La peur, comme je disais, la peur du vide, c'est pas la peur de la mort. C'est la peur. La mort renvoie de la transformation à quelque chose qui se transforme. À la putréfaction, le corps, s'il meurt, ben en fait, il se fait manger par les petites bêtes de la terre, quoi, c'est tout. Le vide te renvoie à l'incompréhension que tu as de toi-même. Au fait que tu te retrouves... Voilà, c'est ça. Tu te retrouves sur un plafond, une espèce de plat. Tu arrives à un plafond de verre, à une limite que tu n'arrives pas à transcender, que tu n'arrives pas à trépasser, à dépasser, à trépasser, à dépasser. Et c'est quelque chose pour toi qui est extrêmement difficile parce que ça te demande d'aller chercher de l'autonomie au niveau émotionnel. Et donc t'es en fuite de cette autonomie. Parce que l'autonomie, ça te renvoie à ce vide, ça te renvoie à quelque chose qui est je suis seul avec moi-même, je ne peux pas demander de l'aide, Ah oui. etc., etc., etc. Et ça fait paniquer ta structure. Ton système, il est en mode terreur totale d'être dans une autonomie. Parce que pour lui, sa définition de l'autonomie, c'est être seul de manière absolue. Plus aucun Ah lien. oui. Et en fait, tu ne peux plus. C'est quoi? Ouais, voilà. Tu ne peux plus attraper l'émotionnel des autres pour les attirer vers toi. Tu peux plus manger l'émotionnel des autres. C'est plus possible. Et ta structure le sait. Et en même temps, ta structure refuse d'aller plus en avant et de, en fait, couper les liens. Alors, transformer, couper les liens lorsque c'est nécessaire. Ah oui, je vois. C'est des liens que je conserve, que je ne devrais pas conserver, quelque chose ainsi. Alors, des liens, ça veut tout dire, ça veut tout dire et dire n'importe quoi en même temps. Les liens veut Les dire la liens, même chose.
C'est pas forcément. Alors, c'est pas que à l'extérieur que ça se pose. Ça se passe aussi à l'intérieur. Ça se passe dans les deux mondes, si tu veux. Dans ton monde Ah oui, intérieur et dans ton monde c'est extérieur. d'accord. Donc, C'est comment je oui, me c'est sens par attaché aux rapport. autres. Donc, c'est oui par rapport aux autres. Mais il y a un côté chez toi, bouffe tout, mange tout. Un côté goinfre, goulu. Que je Des me nourris de émotions. ce que je vois. Parce que les émotions, c'est l'océan agité, hein. Donc, en fait, Comment? les émotions, ce sont les, ce sont les. Oui, c'est ça que j'ai dit, oui, c'est ça. Les émotions, c'est l'océan agité. C'est l'océan agité qui. Ça s'arrête pas, Qui oui. s'agite et qui, comme tu. En fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, tu es constamment absorbé dans un film. Dans un film, dans un scénario, sans sans pouvoir toi t'accorder le repos. Alors, on va aller voir ce qu'il y a plus profondément. Donc, tu recherches ton système, ta structure recherche toujours. La main parentale. À travers ce repère des émotions, des autres surtout. Et en fait, dans ton rapport à, tu t'oublies. Ton rapport à toi, tu l'oublies. Pourquoi tu t'oublies? Parce que tu es hyper mal à l'aise. Il y a un malaise énorme à te sentir là où tu en es aujourd'hui. Ah oui, rester en place, quoi. Alors c'est oui, rester en place, mais c'est aussi le fait de d'être dans le constat de là où tu en es aujourd'hui, au niveau de ta vie professionnelle, personnelle, familiale, amoureuse, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes croyances, tes émotions, tes sensations, tes compréhensions, tes difficultés, tes impossibilités, tout le positif, tout le négatif, et d'en faire un tableau le plus fidèle possible à ce qui est. Et c'est ça qui te fait paniquer. Ça Me voir en te face, c'est ça. regarder en face. Ouais, je vois. Te regarder pleinement en face. Sans avoir. Ouais, sans avoir honte, parce que t'es bien basé sur la honte. Sans avoir Ouais, honte là. de quoi que ce soit. Ou plutôt. Ouais, alors attends, il y a plusieurs trucs. En te laissant traverser par l'honte, plutôt. Le truc, c'est que là, tu places ton autorité à l'extérieur. Ouais, je fais dépendre, on va dire, j'essaye de faire dépendre des autres. Comment dire ouais, des fois, j'ai l'impression que je donne, j'ai l'impression que j'ai besoin des autres, puis je fais Ouais, dépendre des autres. t'es dans un besoin viscéral que l'autorité soit à l'extérieur. Ouais. Donc Donc, faudrait. tu fuis l'autorité. Tu fuis le fait de voir que tu as l'autorité sur ta vie. Tu fuis le fait de voir que tu crées ta vie d'une manière totale et d'une manière absolue à partir de rien. Ok, donc c'est ça que ta structure, elle n'a pas compris. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas intégré encore pour aller à ce stade? Tu crées à partir de rien, tu es seul responsable, seul toi porte tes émotions. Rien ni personne ne peut, à part toi, te sauver. Dit autrement, la solitude que tu crains, t'y es déjà. Ben oui, T'es déjà c'est seul et abandonné. Ouais, c'est réaliser que je suis déjà seul, c'est ça? Au niveau émotionnel, pas au niveau Ouais. mental. Parce que toi, là, ta structure se place direct à un niveau mental. Tu pars dans le concept, donc tu pars dans la fuite. Ouais. Ok. Le tout est pour toi de.
Ouais, il y a la... Ouais, alors attends. Il y a plusieurs choses parce que là... Alors... Tu fais en sorte de stagner. Tu mets l'autorité à l'extérieur, mais tu refuses que l'autorité ait de l'emprise sur toi. Mais tu vas pas connecter ta propre autorité. En fait, tu refuses de faire un pas. Tu stagnes en gros là. Ta structure, elle est en train de dire, je veux plus bouger. Depuis un petit temps, j'ai l'impression. Et il y a de la colère. Il y a des trucs qui essayent de s'exprimer, mais tu tournes en boucle. C'est un choix qui est posé, le fait de tourner en boucle. Parce que tout est un choix. Il n'y a rien qui ne Donc, soit pas un choix de ta part. Et de ta part, ce n'est pas d'accord. que Olivier, c'est toute ta structure, tout ton être, qui dit, je ne bouge plus. Et pourquoi tu ne bouges plus? Parce que, eh ben, parce que l'autorité a dit, tu ne bouges plus. Donc tu restes à un stade infantile, tu restes à un stade d'enfant qui reste toujours à écouter ce que lui a dit son papa et sa maman 30 ans avant. Donc toutes les limites que tu as, il va bien falloir les remettre en question à un moment donné. Ouais, donc oser les dépasser et ne plus faire dépendre mon autorité de l'extérieur. Expulser ta colère. Oui, ça je sais. Oui, Expulser ça ta va. colère sur un punching ball. Sur un punching, c'est déjà mieux. C'est vrai que c'est plus adapté qu'une personne. Ah bah seul dans ton coin, c'est pas du jeu. Si tu en fait arrête d'être seul dans ton coin. Pardon? Arrête d'être seul dans ton coin, ça sert à rien. Ouais, ben c'est ça, mais tu m'as dit un punching ball, donc je pensais que tu étais seul dans mon coin. Du coup, je me suis dit. Non, 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 non. Un punching ball, c'est bien une situation, c'est bien quelqu'un, parce que Ah, d'accord. au niveau de la matière, t'es bien en face de quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un ne sera jamais touché en rien par ce que tu dis, ce que tu fais. Parce que le jeu de la matière, c'est un jeu de dualité, c'est un jeu de miroir. Et pourquoi miroir? Parce que lorsque tu es en face de ton miroir devant ta glace le matin, ce que tu regardes dans le miroir n'est que ton reflet. Le reflet n'existe pas en lui-même. La matière, c'est la même chose. La matière n'existe pas en elle-même parce que ce n'est qu'un miroir. Mais tu peux pas dire que le reflet n'existe pas. Donc, Et c'est pour ça que toi, tu t'interdis. En fait, tu te réfrènes parce que tu nies la matière. Tu nies qu'elle existe. je nie dans quel sens? Je nie la matière, je nie les gens, je nie les. Tu nies le fait qu'il y ait ce jeu de multiplicité avec les plantes, les arbres, les situations, les gens, le boulot, les impôts, les enfants, les voisins, les voisines. Ben, j'ai l'impression que les gens, c'est moi. Enfin, pas que c'est moi, mais que Ouais. si quelqu'un fait tomber quelque chose, c'est moi qui l'ai fait tomber. Il y a un truc de fusion qui se passe souvent. Ouais, mais pas dans la matière. C'est-à-dire que si là je me fais ça, c'est pas toi qui as mal. Là, Sinon tu non, l'aurais non. senti. Donc ça veut dire que t'es pas en fusion. Tu confonds deux niveaux. Le niveau Ça me fait mal. relatif et le niveau absolu. C'est pour ça que je te dis que t'es bien seul. Ah oui. Parce que même dans la matière, t'es seul responsable de tes choix. Et au niveau absolu, t'es seul, mais c'est pas toi en tant qu'identité. C'est pas Olivier qui est seul à ce niveau-là. Ah oui, donc oui, je comprends, je confonds en fusionnant, je mets sur l'absolu, c'est le relatif, c'est ça que tu dis en fait. Tu confonds les deux. Tu inverses les deux. Ok, Encore une d'accord. fois, si je sais pas, je peux. Enfin, tu peux Ouais, pas non. être moi. Je peux pas être toi. Non. Tu n'es pas Non, ta mais. famille, tu n'es pas les gens. Et Tu ça es me rend triste, Olivier. c'est d'accord. Ouais, je Ben, c'est vois. normal. On est en train de toucher une structure fondamentale chez toi.
J'ai l'impression d'être abandonné, ouais, du coup, ça me fait comme Voilà, et là tu touches abandonné. la bonne information. Ouais. Être tout seul. Tu es bien seul, quoi qu'il arrive ou que tu essayes de fuir, tu es seul. Au niveau relatif, tu es seul parce que tu es dans ton monde individuel, calibré, designé pour toi. Et au niveau de l'unité absolue, eh ben c'est l'unité, c'est un. Sauf qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'identité, c'est impersonnel, il n'y a pas d'individu. Oui, je vois l'autre niveau aussi, je le vois. Quand je suis Et en méditation, je là, le c'est là que je te dis, va t'atteindre, essaye de t'atteindre. Matin, dans quel sens? D'aller cette part qui se sent seule. Ah oui, la rejoindre. Toi, faire l'effort d'aller la rejoindre à travers un biais extérieur. Donc, tra à travers une action, des choix, des situations, de t'atteindre Par à exemple, l'intérieur. en Ce que exprimant ma tu veux. différence, en disant des choses ainsi, quoi, et pour bien sentir que je suis bien seul, quoi. En Alors, c'est pas l'affirmant ou tant que tu es bien seul, c'est d'aller rejoindre cette part. Ouais, En voilà, je fait, suis. cette part, si tu vas pas la rejoindre et tu la fais pas se connecter à l'extérieur à travers des choix, des actions, des relations, parce que pour toi, c'est beaucoup trop engageant. Il y a quelque chose qui est très clairement au-dessus de tes forces, selon l'histoire que tu te racontes à un certain niveau. C'est Ouais. au-dessus de tes forces de connecter cette peur à l'extérieur, de connecter cette part à l'extérieur. Ouais, c'est je pense c'est relié à la tristesse, mais je sais pas. Donc en fait, vis les choses. Ouais, vive les choses. Okay. Vis C'est les notre choses de premier. manière pleine et entière. Ouais. Et vis cette tristesse surtout. Quand je pense aux choses, c'est cette tristesse. Vis cette tristesse de manière pleine et entière. Voilà. Parce que c'est ça qui t'alourdit. C'est ça qui est totalement. C'est ça qui te fait stagner. Parce que tu refuses. Cette part est tellement lourde, tellement dense, que tu peux plus bouger. Tant que tu vas pas la voir. Tant que tu n'acceptes La pas d'aller lui tristesse. dire bonjour. La Et c'est une tristesse et souffrance aussi. énorme. T'as dit quoi? Je dis la tristesse et aussi la colère au quotidien. C'est vrai que je m'empêche des fois d'exploser parce que pour les conséquences. Mais Ouais, il va bien falloir à un moment donné. Même si je suis totalement conscient que c'est pas forcément facile lorsqu'on a l'habitude de se cacher, lorsqu'on a l'habitude de ne pas montrer à soi-même et aux autres de quel bois on se chauffe, donc qu'est-ce qu'il y a en nous? Il va te laisser la liberté, te créer un espace, même un petit espace où tu puisses t'exprimer et de petit à petit faire grandir cet espace d'expression. Ouais, progressivement, ouais, d'accord. Mais du coup, cette tristesse intérieure, enfin cette tristesse, cette part qui se sent extrêmement seule, alors seule, ça veut dire éloignée de tout. Hein. C'est comme si quelqu'un était sur une île déserte, ou plutôt quelqu'un était suspendu dans l'espace, et il y avait un vide intersidéral autour de lui. Ni planète, ni soleil, rien, rien, rien. Et Rien à qu'il a voir beau non plus. faire des efforts, il a beau faire quoi que ce soit, il peut pas bouger. Et rien ne vient à lui. Ah Et oui, je là, vois, on est c'est sur quelque cette chose thématique. C'est la solitude. extrême. Et tu as construit ça parce que c'est difficile d'être soi. Donc tu préfères, alors tu as posé le choix de construire le scénario Je suis seul. Pour pallier à ça. Pallier à être moi, j'ai pas bien compris. Je sais plus ce que j'ai dit. Ah, mais je réécouterai. Donc voilà. Je sais plus ce que j'ai dit. Non, je pourrais pas refaire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bah, c'est déjà pas mal. Ben oui, c'est déjà, je suis content de la durée. Donc prendre des initiatives.
Ouais, ben ce que je pense, c'est remettre certaines relations en place, on va dire, que je prends du temps des fois à m'affirmer, enfin bref, peu importe. Mais je vois ce que je peux faire déjà un peu. Laisse-toi aller. Ouais, laisser Au aller, lieu ouais. de voir ce que tu peux faire et de prévoir ce que tu peux faire, laisse-toi aller. En Ok. C'est général, c'est parce la que bonne solution. je vois toutes les fois où je me laisse pas aller et je me dis, c'est con, quoi. C'est vrai que je vois en fait les fois où. Ouais. Et après, je m'en veux et je me dis, c'est con, et voilà. Je sais que je stagne, Oui, mais bah tu restes dans ton système, t'es seul et blablabla, blablabla, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de parler, il faut agir. ouais, c'est ça, c'est le manque d'action. Ouais, je suis d'accord. Ok. Je te souhaite une bonne soirée, Olivier. Salut. Ben, merci, Samuel. Merci. Au revoir. Ok. On est bon, on est bon. Alors, c'est bien, ça s'anime dans le chat. Je vais mettre les quelques mots-clés. Il y avait l'abandon, être abandonné, la mort, la solitude. Les émotions aussi. Et l'expression de soi, très important. Voilà les mots-clés pour la première question. Alors, je vais le redire entre chaque personne qui m'ont passé, parce que du coup, ça va être très certainement la dernière émission sur StreamYard. À partir de la semaine prochaine, il va falloir vous inscrire pour me poser vos questions. De vous inscrire sur le mail. Qui sur la liste mail qui se trouve sur mon site internet. Donc je vous conseille vraiment d'y aller parce que sinon vous ne pourrez pas me poser vos questions. Ce serait bête. Tout de suite, j'accueille Sylvie. Salut Sylvie. Hello. J'étais en C'est train de quoi ta finir de question, manger. Sylvie? Voilà. Il n'y a pas de souci. la semaine passée, j'étais sur plutôt le registre de la colère, qui s'est bien transformée. Et là, je suis toujours sur la même problématique d'aller revoir des personnes de ma famille. Et là, c'est plutôt de la peur. OK. En fait, c'est assez simple à un moment donné, c'est ce que tu disais avant à Olivier, quoi. Genre, monte dans ta voiture et tu y vas, quoi, tu vois. Sauf que je ne le fais pas. Et je me sens lâche et coupable. Voilà, je diffère. Je me trouve des prétextes. Il y a une Je sais espèce même de pas si je j'ai envie tourne d'aller en en rond. fait. Ah bah si tu dis ça, ça change la donne. Non, mais clairement, je me pose la question tous les jours. J'ai envie ou j'ai pas envie, quoi. Ouais, ok. Pourquoi je le fais? Tu Pourquoi je veux le te faire? décides pas. Tu te décides pas du tout. Donc tu tournes en boucle, c'est bien ce que je disais juste avant. Tu tournes en boucle parce que c'est quelque chose qui est trop difficile pour toi. Le fait d'établir un choix et de t'y tenir pour un temps donné, c'est confirmer ce qui se passe en toi. Confirmer ou infirmer ce qui se passe en toi. Confirmer ou infirmer que tu es soumise à ta famille. Confirmer ou infirmer que tu te rebelles contre ta famille. Confirmer ou infirmer le fait que tu arrives ou pas à poser ton autorité face à ta famille. Face à l'extérieur. Confirmer ou infirmer que t'es décidément pas une victime. Confirmer ou infirmer que oui, tu as de l'autorité. Confirmer ou infirmer toutes ces émotions qui s'agitent. Et en fait, c'est bien là, tu es en mode flou. T'as pas fait la mise au point encore. Et c'est en fait, c'est pas y aller ou ne pas y aller qui fait flipper. C'est la mise au point. C'est le point de focal vraiment de rendre net ce qui là est flou. Et c'est ça qui fait flipper. C'est pour ça que tu fais est-ce que j'y vais, j'y vais pas, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie? C'est simplement que là, faire la mise au point, c'est hyper dur pour toi.
c'est quelque chose de qui te semble, c'est comme si je te disais, bah ok, maintenant tu vas grimper l'Everest. Il n'y a rien de plus flippant que la confirmation que de tout ce que tout ce dont je t'ai parlé. Et la confirmation, c'est quelque chose, confirmer, être dans un constat que oui, c'est ça, non, c'est pas ça, ça veut dire que tu vas pouvoir, toi, faire le pas suivant. Et donc, potentiellement, lâcher ce que tu as lâché et obtenir ce que tu as obtenu. Guérir ce que tu as à guérir, résoudre ce que tu as à résoudre. Parce que tant que tu ne fais pas la mise au point, eh ben, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu ne sais pas quelles sont les forces en présence. Et donc, tu ne peux pas avoir le paysage devant tes yeux. C'est comme si tu étais en rando, tu fais tomber tes lunettes, tu ne peux pas continuer les rando sans tes lunettes. Parce que tu ne vois pas clair. Tu ne sais pas où est le chemin. Tu ne sais pas si, précisément s'il y a des cailloux. Et donc, c'est mettre tes lunettes. Donc, rends net ce qui était flou. Et c'est ça qui fait flipper ton système. C'est la confirmation que... Et la confirmation de plein de choses, la confirmation que tu es fait du même bois que ta famille. Et je pourrais t'en citer d'autres. Là, il est question de choix. De faire un choix avec ses conséquences. Avec toutes les conséquences positives ou négatives qui puissent se... Ouais, qui peuvent se révéler durant le processus de je mets au point. Et c'est ce choix qui, enfin ce choix d'y aller, de pas y aller, avec tout ce que ça a comme conséquence. Et donc tu t'essayes de faire des projections sur si j'y vais, si j'y vais pas, pourquoi j'y vais, pourquoi je décide de pas y aller. Confirme ce que tu veux vivre à l'intérieur de toi. C'est là le point central névralgique de ce que tu me racontes. Et c'est dévastateur. C'est totalement dévastateur pour une partie de toi. C'est se rendre compte des choses, c'est prendre conscience. Sans histoire qui se raconte. Sans rien en fait pour te protéger, sans filet de sécurité. Et un des filets de sécurité que tu as, c'est papa, maman sont toujours là pour moi derrière. Un filet de sécurité nommé les parents. Et ça, il y a une forme de douceur dans ta structure. À conserver cette image-là. À conserver cette image de les parents seront toujours là. Et il y a une autre part qui dit non, les parents m'ont trahi. Les parents trahissent. Mais il y a toujours ce bout de ta structure au fond qui résonne. Les parents sont un filet de sécurité. Donc en fait, peut-être fais le deuil de tout ça. Fais le deuil de ce que, en fait, de ce qui est flou, de ce que tu mets dans le flou. Fais le deuil. Comment ? Bah en le rendant net. En faisant en sorte de confirmer ou d'infirmer ce que tu as en toi, de tirer un trait une fois pour toutes sur les choses qui sont là, qui sont en présence en toi, parce qu'en fait, il s'agit du monde que tu vis avec toi. Il s'agit vraiment de ça. C'est comment tu vis la relation avec toi.
Et est-ce que le fait de toujours, en tout cas dans cette situation, garder flou toutes ces forces en présence est réellement bon pour toi? Est réellement ce que tu veux vivre? Est réellement ton choix? Là, ça me refait toucher le fait que les parents sont un filet de sécurité éternelle pour l'enfant que tu es, pour le nourrisson que tu es, un repère absolu. Et ta structure perçoit bien qu'en fait, c'est biaisé parce que on t'a trahi, parce qu'on t'a marché dessus, parce qu'il y a eu chantage. Est-ce qu'il est temps de devenir ton propre filet de sécurité? De laisser passer tout ce que tu as à faire passer, de vivre tout ce que tu as à vivre pour pouvoir, toi, devenir ton propre parent. Il s'agit d'abandonner la sacro-sainte image, le sacro-saint rôle parental que tu projettes à l'extérieur. Parce qu'il faut qu'il y ait un responsable, parce qu'il faut qu'il y ait un coupable, parce qu'il faut qu'il y ait un filet, qu'il soit positif et qu'il me pêche des poissons, ou négatif et qu'il m'enferme et qu'il m'attache. Donc on rejoint aussi la notion de solitude, hein, d'une matière différente, mais le labyrinthe de ta structure amène vraiment à ce niveau-là aussi. Il n'y a rien qui peut te sauver à part toi. Il n'y a rien qui peut t'emprisonner à part toi. Et donc c'est aussi le deuil de toutes les histoires que tu te racontes concernant ta famille, concernant les autres. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres. Parce que tu es en face d'un miroir, parce que la matière est un miroir et au même titre qu'un miroir, le reflet n'a pas son existence à part entière. Tu es la source du reflet. Et la matière, les gens qui y vivent, les plantes qui y poussent, les animaux qui y gambadent, répondent à la même dynamique. Les autres ne sont pas responsables. Les autres sont un. Les autres ne sont qu'un reflet. Ouais, c'est devenu tout noir. Comme quoi, là, on voit bien que la matière est un reflet, parce que la matière est juste un reflet. Et tu es la source du reflet. Ah, voilà. La source est revenue. Donc, fais le deuil de toutes les atrocités que tu as pu vivre au niveau avec tes parents, et fais le deuil de tout ce que ça t'apporte encore. Parce que tu es simultanément cette rébellion. Ah, tu verras ça en différé, alors je continue à parler. Hein. C'est merde, et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu es simultanément, voilà. Tu es simultanément le vent de révolte de qui se rebelle contre tes parents, et simultanément cette énergie hyper douce qui ne demande qu'à être dans les bras de ses parents. Mmh.
Je pense qu'avec ça, on est à peu près bon. Tu m'entends toujours ou pas? Je ne sais pas si tu m'entends, Samuel. Moi, je ne t'entends pas du tout depuis un moment. Ah. J'ai Ah, pas les du tout de résidences. Moi, son. je t'entends. Les autres, vous m'entendez? Ah, je ne Sur sais le pas si chat, vous m'entendez. Les autres, vous moi, êtes moi, je un t'entends. responsable. Attends, je vais le mettre en Les autres sont commentaire. un reflet. Les autres ne sont qu'un reflet. Ok. Merci, merci Octave, merci Claire. Bon, bah du coup, vu que tu m'entends pas, c'est con. Je vais te laisser là, Sylvie. Et je te dis à. Bah voilà, on est synchro. J'adore. Je ne savais pas comment raccrocher. Elle a raccroché elle-même. C'est parfait. Alors, bon, les amis. Comme vous le savez sûrement, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire la suppression de mon ancienne chaîne YouTube, j'ai décidé de faire autrement. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, si vous voulez me poser vos questions, il va falloir vous inscrire sur la liste mail qui se trouve sur mon site internet, sur la page d'accueil. Donc, à partir de maintenant, je vais envoyer beaucoup plus de mails que d'habitude. Beaucoup plus, je vais pas vous spammer non plus, faut pas non plus abuser. Ce que je mets dans mon mail, c'est avant tout ce que j'appelle des mails d'évolution. En gros, je décrypte et je décortique. Je décris ce que je vis, je m'étale sur le papier, j'écris vraiment à cœur ouvert. Je mets de la transparence sur ce que je vis. Que ce soit quelque chose que je vis familialement, bref, ce qui se passe dans ma vie. En fait, je mets vraiment en mots le contenu de ma structure. Je la couche sur papier de manière la plus brute possible pour que toi, tu puisses voir ce qui résonne au niveau physique, émotionnel, mental et autres. Et que tu vois ce que ça révèle en toi. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de la haine, de la fierté, bref, etc., etc., etc. Et que du coup, tu puisses faire ce processus d'aller reconnaître l'humain que tu es, d'aller explorer ta manière unique d'être humain, de manière la plus directe possible, en toute transparence et honnêteté. Et dans ce même mail, en général, je vais mettre à partir de la semaine prochaine les liens Zoom, parce que maintenant, tous mes webinaires vont être via Zoom et seront retransmis ultérieurement sur YouTube. Donc, être inscrit, c'est la possibilité de participer à ces webinaires, donc de me poser ta question maintenant, de vivre la méditation guidée et le kirtan et le satsang le mercredi matin et de participer aux soirées partage et parole libre. Ceci étant dit, alors dans l'ordre, Sophie, Pierrette, Mimi et Marinelli. Salut Sophie. Salut. Alors, moi, ma question, c'est que ça fait des années, en fait, mais je le vois mieux ces dernières années, ces derniers mois. Je mange, je fais que manger, je pense qu'à la nourriture, et je vois bien que je me remplis parce que je mange, j'ai pas faim, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, je mange tout le temps. Et il y a un truc en moi qui dit, je me remplis, c'est jamais assez plein. Ouais. Voilà. Le premier truc qui vient, c'est t'es sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que tu en as conscience. Et puis, qu'en Je peux avoir plus baisser. conscience. Bon, ok, là, ça devient problématique. Oui. Non, mais vraiment, déjà, en avoir conscience, c'est un premier pas. Parce que tu pourrais très bien être dans le même état et ne pas en avoir conscience. Tu vois, rien que pour ça, c'est déjà bien. Ouais. Ensuite, ce que ça renvoie.
t'es pas accepté. Il y a une notion de non-acceptation, comme si tu pouvais pas faire en sorte que les autres soient de ton côté. Et donc, t'essayes à tout prix d'attirer les autres vers toi. T'essayes à tout prix d'attirer les autres à toi de manière inconditionnelle. Parce que c'est vraiment ta manière de te remplir avant tout, avant la nourriture physique, c'est la nourriture émotionnelle. C'est, t'as un besoin viscéral, c'est le cas de le dire, de bouffer l'émotionnel, de bouffer la relation à l'autre. Et de plus en plus, ouais, c'est ça, hein, ton système n'accepte plus. Il y a quelque chose en toi qui, en fait, fait stop. Et comme la manière de structurer l'humain est hyper complexe, il y a plein de choix à différents étages, et ben, tu dis stop à la nourriture émotionnelle, et ben, du coup, tu reportes ça sur le physique. Et simultanément, ça te permet d'en prendre conscience et de prendre conscience du jeu émotionnel que tu joues. Que tu voudrais bien jouer, parce que c'est un réflexe, parce que dans ta famille, on fonctionne comme ça. Et en même temps, bah, ça te met en face de l'impossibilité de le faire, la nouvelle impossibilité de le faire, ou la nouvelle possibilité de ne plus le faire, de ne plus pouvoir le faire. Et là, on touche vraiment ce vide. On est beaucoup sur le vide ce soir, hein. La peur du vide, ce vide intersidéral que tu ressens en toi. Et tu as besoin de relations pour... tu as besoin de relations pour combler ce trou. Ou tu as besoin de t'échapper. Et là, on touche des émotions. Là, ta structure reconnecte des émotions. Et c'est bon, en fait. C'est difficile, on est d'accord. C'est très difficile. Ouais. Mais c'est bon parce que là, tu touches à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui te nourrit. Ce que tu as choisi profondément. Et je redis la même phrase que tout à l'heure. Il n'y a rien qui peut te sauver à part toi-même. Rien ne peut t'atteindre à part toi-même. Toujours ce principe de solitude. Et t'essayes de trouver des stratégies pour essayer de cacher, comme un cache-misère, tu vois. Comme si tu avais un trou dans le mur. Et tu mettais une jolie tenture devant. C'est pas, oui, ça fait joli, mais ça répare pas ce qu'il y a à réparer. Tu vas pas voir l'ampleur des dégâts. Tu vas pas confirmer. Rien ne peut te sauver à part toi. Alors, tu te sens enfermé du coup. Ouais, c'est ça. Il y a un côté très, je me sens enfermé, incapable de changer quoi que ce soit à mon existence. En tout cas, autour de cette thématique. Ouais, je sais plus quoi faire. Et le truc, c'est qu'il y a peut-être rien à faire, dans le sens où ta stratégie, c'est tellement essayer de faire des trucs dans ta vie que là, la manière la plus simple, en tout cas la plus directe, c'est d'être avec toi, de t'accompagner, d'être en ta propre présence. Parce qu'il y a tout le temps un truc à faire, il y a tout le temps quelque chose.
Et ça, c'est une stratégie de c'est du cache-misère. Ouais. C'est voir l'ampleur des dégâts que ça occasionne chez toi. L'ampleur de ce gouffre, l'ampleur de cette tristesse que je suis en train de toucher, l'ampleur de la bataille qui se livre pour ne pas y aller, des résistances. Il y a un truc qui appelle tout au fond. Il y a réellement un truc qui appelle tout au fond. Donc voir le gouffre, c'est être à moi, c'est être dans le observer ce qui se passe quand ça se passe. Ouais, peu importe ce qui se passe autour de toi, lorsque tu captes ce qui est en train de se passer en toi, ce gouffre qui a l'air d'être, pour ton système, ça a l'air d'être un monstre à fuir, alors qu'il y a une demande d'aide derrière, une demande d'aide inavouée, inavouable, non exprimée. Tu as fondamentalement besoin d'aide. Voilà ce que ce bout de ta structure résonne. Tu as fondamentalement besoin d'aide sans non plus jamais totalement l'avouer. Et tu t'enfermes derrière des trucs, des astuces, des stratégies. Et en fait, tu restes seul avec ce fardeau. Ben, pourtant, j'ai l'impression d'être tout le temps en train de demander à de chercher et de demander à plein de gens autour. Ouais, mais ça se passe pas au niveau de la matière, ce que je te dis là. Ah oui. Et comment l'aide, moi je peux l'apporter, qui En apporte cette aide? t'accompagnant toi-même. Où? C'est ce que je disais tout à l'heure en disant être avec toi. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu fais lorsqu'un enfant pleure? Alors je le console. Réflexe, on le prend dans ses bras, on le prend dans nos bras et on le serre fort. Voilà ce que c'est être avec soi. Parce qu'il y a quelque chose qui demande ça de toi, qui t'appelle à faire ça, à devenir ton propre parent, ta propre mère, ton propre père. Cette tristesse sans fond qui a l'air de distordre ta réalité. Et parce que sous ça, il y a ton socle à toi. Parce que cet océan de tristesse, il est bien posé sur un fond marin. Sur quelque chose de stable, sur quelque chose de puissant, sur quelque chose d'unique. Et en fait, ce que tu essayes d'aller toucher, c'est ta valeur. C'est voir que tu existes. Voir que tu comptes, que tu as une utilité. Le monde n'existerait pas sans toi.
Parce que tu es l'origine de ce reflet que tu vois. La matière est un reflet. Comme lorsque tu te regardes dans le miroir, le reflet, c'est toi qui en es l'origine. Et ben, la matière, c'est la même chose. C'est le reflet de ta manière unique d'être humain. Et donc, j'en étais à ce socle-là. C'est vers ce socle-là que tu vas lorsque tu acceptes de poser tes yeux et d'être avec ce gouffre. Cette solitude, cette tristesse. Ce « on n'a jamais pris soin de moi ». Laisse sortir, c'est bien. À travers ce marasme de souffrance, d'indécision, de je sais pas, est posé sur cette force, sur cette puissance qui est là. Parce que c'est à travers ta puissance que tu ne peux pas ne pas être, tu ne peux pas ne pas être cette puissance. Tout comme tu ne peux pas ne pas être l'origine du reflet que tu vois dans le miroir, tu es à l'origine de ce gouffre. Et ce n'est pas une question d'être coupable, de culpabilité. En te laissant traverser tout ça, tu accèdes à cette toute puissance qui est là. Si tu veux, je vais te laisser là, Sophie. Je te laisse intégrer ce qu'il y a à intégrer. Et je te souhaite une belle soirée et bon courage. Merci. Ça remue bien. Hein. Ça se voit que on n'est pas là pour faire semblant. Derrière toute cette... toute la merde de nos vies, en fait. Toutes les choses les plus belles de nos vies, c'est le truc le plus... nous sommes l'origine de tout ça. Et la malversation, ce qui se passe, c'est qu'on se persuade de ne pas l'être. Comme si on se regardait dans le miroir et on disait « Mais c'est pas moi l'origine du reflet ». Parce que le reflet ne nous plaît pas. Alors qu'on ne peut pas être, on ne peut pas ne pas être l'origine. Parce qu'on est le corps et c'est qu'un miroir. C'est pour ça qu'on dit que la matière est un miroir. Entre autres, c'est que ce n'est qu'un reflet et ça n'a pas d'existence propre. Et ensuite, mais ça ne veut pas dire que le reflet n'existe pas. Si tu tapes dans le miroir, si quelqu'un tape dans le miroir, tu ne vas pas avoir mal. Ça veut dire que le reflet n'existe pas. Mais pourtant, le reflet existe bien parce que tu le vois bien. Ça te permet d'interagir avec un deux, une multiplicité, la dualité. Et la matière est ce reflet. Donc, à travers les plantes, les animaux, les situations, les gens qui s'animent, la société, la famille, le couple,
Bah, tout ça, c'est le miroir. C'est le reflet dans le miroir. C'est pour ça que revenir à soi, donc à l'origine du reflet, tout en continuant à interagir avec le reflet, donc sans nier la dualité, ça a toute sa pertinence. C'est extrêmement important. Il y a deux mouvements qui se font. Un vers l'intérieur, un vers soi, et l'autre vers l'extérieur, vers le reflet. Ok, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je dis ça, je n'ai jamais dit ça et je déteste dire ça, mais comme là, j'ai perdu ma chaîne. J'ai tout perdu, monsieur, je vous jure. J'ai tout perdu. J'ai 5 enfants et 3 femmes. Des abonnés, s'il vous plaît, des abonnés. Je peux en rire maintenant, mais la semaine dernière, si je mange, j'en menais pas l'argent. Ça a été de rien, Sophie. Porte-toi bien et intègre bien. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous. J'ai pas envie que ça s'arrête. Hein. J'ai clairement pas envie que ça s'arrête. Ok. Alors, qui était la suivante? Je sais plus. Pierrette est la suivante là. Salut Pierrette. Alors, dis-moi, quelle est ta question? Ma question. Ta situation. Ma situation. On s'est mis dans le noir. Dark Pirate. Ouais, je suis toujours solaire, donc parfois ça fait du bien. Pourquoi Pirate a du mal à retrouver sa lumière, sa joie de vivre. Voilà. Bon, elle sait qu'elle a eu vraiment beaucoup de harcèlement et du coup, ça a été un peu, ça s'est enchaîné quoi. Et c'est comme si mon âme attirait ça. Et donc j'ai vraiment du mal à retrouver ma joie de vivre et ouais, mon envie de vivre, quoi, de ma spontanéité et tout ça. Laisse-toi le temps. Ouais. Tu peux pas demander à un maradonien qui vient de faire, le marathon de New York, d'enchaîner avec un autre marathon. Il va falloir un temps de repos. Il va falloir tout ce que tu as vécu. De le laisser s'intégrer et il va y avoir une sorte de sas qui s'opère, un sas de décompression littéralement jusqu'à la prochaine aventure si tu veux, et parfois on vit les deux simultanément sur différents sujets au niveau familier de la décompression mais au niveau boulot c'est de la compression donc il faut activer et ensuite ça s'inverse et ça sur, à tous les étages et à tous les niveaux. Donc en fait laisse-toi le temps. Tu veux déjà repartir à l'aventure, toi qui es solaire. Ouais. Justement, laisse l'ombre, donc laisse l'inconscient faire son taf. Tu n'as pas tout le temps à te positionner, tu n'as pas tout le temps à te bagarrer, tu n'as pas tout le temps à... Tu vois, c'est investir le truc foncé, très extérieur, très... Non. Non. Si l'extérieur, comme on le dit tout à l'heure, n'est qu'un reflet,
Et parfois, il n'y a pas besoin de s'occuper du reflet. Hein. Ouais. Parce que j'ai un peu du mal à rester seule. J'ai besoin de... Ah. Ouais. Voilà. Ouais. T'as besoin d'agitation. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce soir, je le dis pour tout le monde, on est dans un groupe où on déteste, on veut pas notre solitude. Hein. Ah non. Non. On ne veut pas de solitude, on ne veut pas entendre parler de nous-mêmes et des aspects de nous qui nous terrorisent, qui nous font peur, parce que c'est vraiment une mise en abîme, comme si on tombait plutôt, pas une mise en abîme, comme si on tombait dans une abîme, comme si tu tombais dans une abîme, Pierrette. C'est pour ça que tu me demandes, mais qu'est-ce que je peux faire? En fait, il n'y a rien à faire. Laisse faire, par contre. Laisser faire, par contre, ça a toute sa pertinence. Ouais, ouais. Et dernièrement, j'ai aussi eu des grosses nausées, envie de vomir. Vraiment un dégoût, en fait. Et là, c'est passé aujourd'hui. Vraiment, je me sens beaucoup mieux, mais je me demandais vraiment... Enfin, je sais que c'était un peu... Parce que justement, je suis beaucoup dans l'hyperactivité, et donc peut-être que c'était un trop-plein de choses... Beaucoup de remue-ménage, quoi. Ouais. Bah, laisse faire, toujours. En fait, tu peux pas échapper au vide. Ouais, c'est ça. Là, tu me sors une autre histoire pour que j'aille dedans et que je... Non, c'est... Il n'y a pas d'histoire. Enfin, il n'y a pas d'histoire. Arrête de te balader, de me balader dans l'histoire et de balader les autres dans l'histoire et va là où c'est prioritaire. Et la priorité, c'est ce malaise que tu ressens lorsque tu es face à ce vide. Ce truc insupportable, presque insupportable qui est là. Et ça, c'est aussi une histoire qui se raconte. C'est aussi une histoire pertinente à aller voir. Donc en fait, arrête de te balader dans le reflet. Et va voir l'origine, c'est-à-dire toi. Ouais. Et là, ce qui vient, c'est quoi encore, même si tu es entouré de 10 000 personnes, tu es seul. Et il va falloir te rendre compte de ça. Que tu possèdes en toi cette solitude qui existe, qui est là, qui vibre, qui t'enseigne, qui te met sur un chemin. Ce chemin, le chemin du « je suis là ». Parce qu'il va bien falloir te prendre en compte pour que les autres te prennent en compte. Ah, en gros, tu ne peux pas espérer que le reflet fasse une caresse sur ta joue si toi, tu es en train de te baffer. Si tu te baffes, tu vas voir le reflet se baffer. Donc, prends-toi en compte. Sois la personne la plus importante pour toi. Ouais. Je sens qu'il y a des changements, que je suis en pleine transition, comme tu disais tout à l'heure. Et il y a aussi une question de limite aussi qui est assez. Enfin, qui vient actuellement où j'ai aussi une perte d'énergie parce que je n'arrive pas à placer mes limites. Et avec hier, les autres, tu veux dire? Oui, avec les autres et avec moi-même aussi. Ouais. Mais tu n'es même pas dans cette considération-là en fait. Enfin, tu n'es même pas. Pour le renvoi de ta structure, c'est mais là, c'est je dois aller. Le vide, là, c'est prioritaire. Parce que ça crée chez toi précisément, alors plus que vide, c'est le mot inconfort qui vient. Ouais. Quelque chose de très inconfortable, comme une musique hyper désagréable qui résonnerait dans ta maison sans que tu saches d'où ça vient. Et c'est continuellement là. C'est toujours là. Que tu dormes, que tu sois à faire la cuisine, à manger, à repasser, à regarder un film.
C'est toujours là. Et tu peux pas oublier ça. Sauf que tu t'es tellement accoutumé que tu acceptes cette présence-là. Et donc, c'est pas non plus aller partir en guerre contre cette présence, contre cet inconfort, mais aller la voir. Aller voir cet inconfort. Et cet inconfort, il n'y a pas forcément de cause extérieure. Parce qu'encore une fois, l'extérieur, c'est le reflet. La cause, c'est toi. La cause, c'est pas être coupable. La cause, c'est être la cause. C'est un truc neutre. Comme je me regarde dans le reflet, je suis la cause du reflet. On n'est pas en train de se maudire soi pour le reflet. Va voir la cause que tu es. Tu te sens incohérente. Voilà, c'est ça. L'information se débloque. Tu te sens incohérente. Tu te sens pas à ta place. Ah, ça c'est clair. Je me demande où est ma place et parce que je me suis déjà sentie sereine, bien, en joie toute l'année passée, quoi. Et là, j'ai l'impression que je me suis ancrée. Et du coup, le fait de m'être ancrée, d'ailleurs, il y en a plein qui me le disent. J'ai un peu perdu ce truc de joie de vivre, peut-être ce côté perché, quoi. Et du coup, j'arrive plus à. En fait, je me retrouve plus dans cette attitude. Je suis calme, quoi. Je suis pas comme ça d'habitude, mais. Alors. Ouais. Il y a plusieurs choses là-dedans, déjà. Et qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Je sais plus. Ah, pétard. Je sais plus. Je sais plus. Il y avait un truc, je voulais embrayer sur un autre truc. Bref. On va continuer, ça va revenir. Tu disais que oui, j'ai. Que t'étais ancrée, perte de joie de vivre. Ouais. J'étais beaucoup moins perchée du coup. Et du coup, j'ai moins ce truc de jouissance, d'extase que j'avais avant. Parce que j'étais un peu plus perchée, et plus spontanée et vivante en fait. Alors, vivante, tu l'es. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Ah oui, voilà. Merci Thomas et merci Lauriane. Donc, c'était accepter l'inconfort et accepter et incohérente, l'incohérence. Merci à mes deux autres cerveaux de remplacer le mien. Incohérence et inconfort. Oui. Donc, incohérence et inconfort. Et en fait, c'est l'incohérence et l'inconfort, elle est par rapport au thème que tu viens de poser. C'est bien, tu fais les liens. C'est-à-dire que tu changes. Comme tout et tout le monde dans la vie. Même une table en bois change au fur et à mesure des années. Donc en fait, tu ne peux pas rester sur un mode de fonctionnement de manière éternelle. Ta quête de stabilité, mets-la à la poubelle. C'est dans l'instabilité que tu vas trouver la stabilité. C'est en prenant des risques que tu vas trouver la sécurité. C'est en marchant qu'on est stable. Pourtant, en marchant, on n'est que sur un pied. Toujours, 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 toujours. Et toi, tu tentes de figer. Et en fait, ouais, putain, merci. Hein. C'est oui. C'est tu tentes de figer quelque chose qui n'est pas, qui ne l'est pas. Donc, incohérence. Donc, un truc malaisant. Parce que tu tentes précisément de conserver quelque chose qui était là avant, qui constituait qui tu es. Donc, tu t'identifiais à ce phénomène. Sauf que là, tu as transité, tu as changé. T'es déjà sur une autre énergie. Ouais, c'est ça, je suis beaucoup plus calme. Et
Fais le deuil. Ouais, c'est ça. Ouais, fais le deuil. Ça. Ça ne veut pas dire que ton... En fait, c'est juste une histoire de... Pour nuancer mes propos, c'est une histoire de nuance et de ratio, si tu veux. Qu'est-ce qui te nourrit réellement ? Eh ben, c'est moins le côté perché que le côté ancré, comme tu dis. Parce que tu as besoin de te positionner pour te trouver, pour dire... Ma valeur, c'est ça. Parce que quand tu es perché, oui, tu as accès à la multiplicité, à la multitude, le côté extase, etc. Mais tu ne te positionnes pas. Donc, non, comme tu as été d'un côté du, comme tu as été d'un côté de l'élastique, tu es ramené à l'autre, parce que c'est un élastique. Ouais. Quand, tu vois d'un, tu, quand tu vas d'un côté des énergies, ouf, et ben, tu peux rapidement être... embarqué dans l'autre côté. Et donc là, tu poses ta rationalité, tu poses quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus ancré, ouais, c'est le bon mot pour toi. Ouais. Et à un moment donné, tu vas faire l'équilibre. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pour trouver ta valeur, pour te positionner. Et là, je touche, j'ai peur, il y a une peur par rapport à ce positionnement-là. Ouais, je sens l'émotion aussi. Ouais, je sais pas. Il y a un léger tremblement dans ta structure. C'est ça, quand je dis le mot peur, c'est que quand je touche ta structure, quand je l'aperçois, il y a un léger tremblement. Et il y a un... Y a un... Et c'est peur de quoi, du coup ? Peur de l'affirmation et de la confirmation. Ouais, donc on revient à ça. Confirmer. Qui tu es. Comme là, tu as potentiellement, vu que le monde est le reflet de qui tu es, et ben tu vas avoir la potentialité, les opportunités de confirmer que tu es bien ancré. Et aussi la confirmation que tu n'es plus perché. Donc, positionne-toi. Mais positionne-toi aussi dans cet inconfort. Utilise, fais feu de tout bois. C'est prendre tout ce que t'as de toi et mets-le dans le truc. Dans quoi ? Tes actions, ton positionnement. Il y a une demande énorme chez toi de dire mais voilà, ça c'est moi. Et voilà ma valeur. Voilà ce que je peux proposer. Voilà ce que j'apporte. Parce que tu n'es pas sûr. Pourquoi ? Parce que tu étais perché. Donc, vu que tu as assez exploré ce champ d'expérience du perchage, bah hop, tu vas voir l'énergie polarisée inverse. Et donc, tu es en mode, je suis bien là, en fait. Ouais. C'est vrai que ça, du coup, ça m'oblige d'être. Quand t'es ancré, ça m'oblige à prendre des décisions. Alors que c'est ce que je faisais pas avant. Bienvenue dans le monde réel. Ouais. C'est vraiment une angoisse de devoir décider, en fait. J'ai vraiment un problème avec ça. Enfin, c'est peut-être un autre sujet, mais. Je suis toujours dans le doute, quoi. Je dis oui, puis je dis non, puis je dis oui, puis je dis non. Et j'aimerais bien, en fait, il y a aussi de la colère, j'aimerais bien pouvoir, en fait, vraiment sentir en moi, est-ce que c'est juste que j'y aille ou c'est pas juste? Et ça, j'arrive pas encore. C'est un faux sujet. C'est un faux sujet, ok. Ouais. Est-ce que c'est dans ta justesse personnelle de faire ça? Ou est-ce que c'est pas dans ta justesse personnelle de faire ça? Ouais. En fait... tout te sert, tout est utile à toi. C'est toujours le bon chemin, mais pas forcément. Alors, faut que je nuance. Le chemin est toujours dans une justesse profonde pour ta structure
entière que tu es, l'être total que tu es. Mais toi, au niveau humain, tu vas polariser. Hein, y a des trucs qui sont vrais, il y a des trucs qui sont faux. Pourquoi tu es dans cette considération-là? Parce que tu veux trouver le bon chemin. Parce que tu veux être sûr que ta valeur, c'est ça, et tu la figes, et tu la gardes de manière éternelle. Sauf que ce n'est pas le jeu de la matière. Ce n'est pas le jeu de cet espace-temps-là, en 2022. Joue. En fait, cette légèreté que tu avais, ce côté aérien que tu avais, tu es en train de l'intégrer dans la matière. Et donc, d'accepter de jouer avec la matière, d'accepter de... La matière est aussi légère que ce que t'es, le truc perché dans lequel tu... La dynamique de perché que dans laquelle tu étais. C'est juste toi qui mets de la gravité parce que derrière, il y a de l'émotionnel. Il y a un émotionnel très dense à vouloir le bon choix, le choix absolu. La matière est aussi légère que la spiritualité. Ah, j'aime bien ce jeu de la matière. Merci Véronique. Expérience. C'est très très pertinent, le jeu de la matière. Bah ouais, en plus c'est ça avec ceux qui sont créatifs, c'est un jeu avec la matière. C'est le jeu de la matière et tes décisions et nos décisions à tous et à toutes. Ça, c'est la matière est un jeu et nous on y voit quelque chose de grave, quelque chose d'hyper lourd, mais c'est pas la matière qui est lourde parce que la matière n'est qu'un reflet, n'oublions pas. C'est parce que sont nos, là en l'occurrence pour toi, sont tes émotions qui sont lourdes. La peur de l'échec, la crainte de l'échec et l'envie de la réussite. Ouais, je supporte pas l'échec. Donc, échoue consciemment. Au lieu de fuir l'échec comme la peste, accepte d'échouer consciemment. Consciemment. Rate quelque chose dans un cadre. Mais c'est ça, hein? Rate quelque chose dans un cadre que tu as toi-même créé ou dans lequel tu as choisi d'aller parce que ça te met en sécurité. Et là-dedans, échoue. Mais j'échoue beaucoup hein, pour le moment, c'est ça qui me anéantit un petit peu aussi. Ouais, mais il y a un truc derrière quand tu dis ça t'anéantit, c'est très juste comme terme, c'est tu fais des sauts de puce. Échec, tu vis un truc et hop, tu vas direct vers un truc suivant et un truc suivant et une expérience suivante. Reste avec l'échec, comme reste avec le vide. C'est ça, cette dimension de l'être, on va dire, être avec. La vision, te laisser traverser. La vision que tu as, lorsque tu dis je suis anéanti, j'ai échoué, c'est la vision d'un émotionnel détruit, d'un émotionnel qui perd le regard approbateur de l'extérieur. Ouais, c'est tellement ça. Et pour moi, c'est terrifiant, quoi. Et c'est pour ça que tu veux pas échouer, parce que l'échec signifie que ce regard extérieur va se détourner de toi et on revient à la solitude. Je vais te laisser sur ça. Ok, ça va. Et bonne intégration et bonne soirée, Pierrette. Salut. Eh bien, c'est dommage, je fais pleurer beaucoup de monde ce soir. Ça promet ? J'espère pas. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? La prochaine formation atelier collectif communiqué avec la structure inconsciente, c'est le lundi 28 de 19h à 22h. Le premier cours est gratuit. Donc si vous voulez venir tester, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via mon site internet.
En gros, il y a deux cours par mois de 3 heures dans lesquels j'apprends. On va dire, je résume, mais je vais expliciter après. J'apprends aux gens à développer leur capacité de clair informant et donc à communiquer avec la structure inconsciente comme je le fais là. En vrai, j'apprends rien parce que c'est pas un truc qui s'apprend, c'est quelque chose qui est totalement naturel. Donc, c'est-à-dire que tout le monde connecte des informations, tout le monde fait bouger les structures et tout le monde communique avec la structure inconsciente de tout le monde. Tout le monde le fait. De boucher votre fils, vos neveux, votre papa, maman, tout le monde. Là, tout ce qui se passe, c'est que je crée un environnement, je crée des jeux, vous jouez entre vous. Ce qui vous permet de prendre conscience de comment ça fonctionne pour vous. Donc, comment vous développez vous connectez les infos et comment vous les exprimez. Voilà à quoi sert la formation. Ensuite, la prochaine, je le redirai d'ici là. La prochaine soirée partage et parole libre, c'est le 18 mars. À 19h, à partir de 19h, à 19h. Et sinon, là, il y a une conférence le 25 mars. Toutes les conférences maintenant sont des conférences surprises. Donc en fait, il n'y a pas de sujet au préalable. Je ne peux pas dire c'est quoi le sujet parce que c'est la structure de groupe qui va me dire quel est le sujet. Donc c'est une conférence qui dure 3 heures, un atelier collectif qui dure 3 heures. Et la première heure, je vous fais jouer. La deuxième heure, je commence à exprimer à verbaliser des informations de la structure. Et à partir de la fin de la deuxième heure et du début de la troisième heure, je verbalise quel est le sujet et le pourquoi le groupe s'est rassemblé et le pourquoi les gens sont venus. Et du coup, à partir de là, les gens peuvent me poser leurs questions et voilà comment ça se passe. Et après, repartir avec des clés un peu plus concrètes, etc., etc. Ensuite, le prochain atelier collectif chirurgie informationnelle, j'ai pas encore mis la date, mais ça ne saurait tarder. On est le combien ? On est le 23. C'était le 21. Ouais, ça va pouvoir être entre peut-être le mardi 22 ou alors le samedi 27, le dimanche 27, enfin j'en sais rien. Ce sera sûrement très certainement la semaine du 21. Pour l'atelier collectif chirurgie informationnelle. Et encore et toujours, n'hésitez pas pour me soutenir à vous réinscrire à vous réabonner sur ma chaîne YouTube. Et surtout, si vous voulez être au courant des prochains webinaires, inscrivez-vous sur la liste mail qu'il y a sur mon site internet. Ça va vous permettre d'être au courant parce que j'enverrai un mail à chaque fois qu'il y a un webinaire, donc une fois par semaine, j'envoie un mail avec le lien des webinaires qui se passeront techniquement sur Zoom. Donc ça va être un test, parce que c'est très nouveau pour moi depuis la suppression de ma chaîne YouTube la semaine dernière. Ça va être un test pour voir comment ça se passe, sachant que je vais l'écrit étant une manière, une des plus directes pour moi, de me rendre compte de qui je suis, d'explorer le labyrinthe de ma structure. Je vais vous envoyer plus de mails que d'habitude, sachant que ces derniers mois, ces derniers temps, j'avais très très peu envoyé de mails. Je vous envoie aussi du coup des mails où je décris justement comment je fonctionne autour d'une thématique, ce qui vous permet à vous ensuite de voir par miroir en miroir, par résonance, est-ce que ça résonne au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau des croyances, au niveau corporel, etc. Et donc voilà, sachant qu'il y a d'autres surprises pour les abonnés des mails privés, il y a d'autres surprises que je tairai là, mais que je dirai régulièrement par mail, notamment par rapport à mes stages, par rapport à mes ateliers collectifs, par rapport à mes conférences, à mes ateliers en ligne, etc. etc. Alors, la prochaine personne, c'est Nelly.
Ensuite Mimi, ensuite Cécile. Bonsoir Nelly. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, à tous. Ah, désolé, je viens de manger un petit morceau. Il n'y a pas de souci, faites appel. Ah, non, ça y est. Alors, c'est Véronique, Beaujean, là, qui m'avait parlé de cette émission et donc de ton travail que je découvre. D'accord. Bah, bienvenue. Merci beaucoup. Et du coup, je ne sais pas si j'ai une question particulière, si ce n'est... Ou une situation, quelque chose, en fait. Un point d'appui pour que je puisse aller voir ce qui se raconte. Ah, d'accord. Parce qu'il n'y a pas un genre de scan pour avoir les grandes lignes, quoi. Ah, si, je... Oui, c'est... Tu ne connais pas ? Je ne sais pas. Si, si, en fait, c'est genre, je me branche sur ta structure... Je me mets en lien avec ta structure et je vois ce qui se raconte. Mais après, voilà, c'est. Ouais, je trouve ça toujours ça mieux de, que la personne. Après, c'est une préférence personnelle, hein, donc c'est pas du tout obligatoire. D'accord. Mais bon, si tu veux que j'aille voir à l'aveugle, il n'y a pas de souci, je le fais. Dis-moi. Vas-y. Alors. Ah, t'as mis ta caméra. Salut. Oui. Alors, qu'est-ce qui se raconte pour toi ? Il y a des doutes. Ah, tu as des doutes pour le chemin à suivre. Le chemin, quel est le chemin ? On dirait que tu attends, comment il s'appelle ? Tu attends Moïse qui t'ouvre la mer en deux pour que tu puisses traverser les flots. Tu vois ? Ouais, non, j'aurais peut-être pas dit Moïse, j'aurais peut-être dit, je sais pas, moi, le petit poussé qui m'aurait montré. Ouais. Donc, chez toi, il y a une histoire de création, donc de savoir, t'as pas encore intégré le côté je crée la vie. Il y a un truc dans le genre de j'ai l'impression que la vie joue contre moi, justement, le reflet me renvoie quelque chose que je n'ai pas. Que je n'ai pas demandé, que je n'ai pas vibré. Donc, ce n'est pas juste. Alors, je ne vais pas trop m'éparpiller. Après, pas trop m'éparpiller. Bref, on va voir. Donc, ça renvoie à l'injustice de ne pas avoir ce que tu veux. Ça renvoie à des désirs non assouvis, non avoués. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour exprimer ces désirs ? C'est clair. Ah ! Comment est-ce qu'on fait pour exprimer ses désirs ? Ouais, parce que... Vas-y, ouais. Non, oui, parce que juste rien que de poser une question, c'est quoi ton projet ? La panique totale ! Ouais. Perdu. Mais bon, j'ai eu des conseils. Alors, les désirs, parce qu'il y a un thème. Légitimité, tiens. T'es pas légitime dans tes désirs. Donc en fait, tu dis quelque chose et il y a comme par hasard quelqu'un ou une situation qui va te dire « Non, c'est pas ça. » Donc forcément, tu te sens pieds et poings liés, tu te sens prisonnière. Et tu te sens, y a une espèce de truc qui résonne dans ta structure de je peux pas exprimer vraiment, je peux pas, c'est pour ça que je te disais, je peux pas avoir ce que je veux. Il y a un truc qui est coupé, qui peut pas réellement, comme si tu voulais chanter, mais que tu avais des voisins tout autour et que tu t'autorisais pas à chanter quelque part. Alors, désir non avoué, ça renvoie sur ça, t'as des désirs non avoués. Parce que exprimer des désirs non avoués, ce sont des désirs que tu n'exprimes pas. Ce sont des désirs que tu vas cacher, parce qu'il est préférable de les cacher, parce que ça ne correspond pas aux règles du collectif, donc de la société, de la famille, etc.
D'accord. Alors là, tu me dis ça, je ne vois même pas que. Alors je mets vraiment. Je fais vraiment l'autruche, hein, c'est pas possible. J'ai pas notion. Je n'ai pas conscience là. Parce que je. Ah, je tombe sur un truc intéressant. Il y a du dédain. Du quoi ? Par rapport à toi, tu as du dédain. Tu te boudes toi-même. Il t'est pas con. Ah, c'est avec les émotions. D'accord. Avec les émotions, il y a un truc qui te. Alors, on pourrait dire que t'es. Ok, t'es posé sur de la colère, sur de la révolte, sur quelque chose de très feu, en fait. T'es très feu. Très sanguine, on pourrait dire, de manière un peu plus basique. Wow. Et il y a. Ça, c'est les besoins qui essayent de s'exprimer. Eh ben, ils ont du mal à s'exprimer, hein, parce que je les entends pas. Enfin, je. Ça monte pas jusqu'en haut, quoi. J'aimerais bien, pourtant. Alors, il y a autre chose qui freine le côté besoin, c'est que tu essayes d'avoir, tu veux avoir un repère, un modèle d'action, de choix à faire qui seraient les bons avant de les faire. Pas... Oui, mais ça, c'est pas possible. Je dois marcher à l'intuition. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Et moi, je marchais, je sais, j'en ai pris conscience depuis un bon moment. Enfin, ça fait longtemps. Comme quoi, je suivais toujours un modèle. Il y avait un cadre, j'étais dans un cadre, je ne savais. Voilà. Et pourquoi tu poses le. Voilà. Pourquoi ta structure pose le cadre? Parce que c'est ouais. Ça qui éteint le feu de tes désirs. En fait, tu mentalises le mental, si tu veux, c'est ce qui rigidifie les énergies. C'est grâce au mental qu'on a de la matière, c'est grâce au mental qu'il y a ce reflet, ce fameux reflet dont je parlais tout à l'heure. Donc merci le mental pour ça. Par contre, lorsque le mental vient à rigidifier. Des pensées ou des émotions et à les cristalliser et à les transformer en croyances et en, jusqu'à dire et exprimer c'est ça la vérité, il n'y a qu'une seule vérité et c'est celle-ci et je la possède, là c'est de la rigidité et là ça te flingue. Eh ben carrément, c'est ça, je suis coincée, je suis rigide. Donc je dois méditer, j'ai compris, hein, pour le mental. Alors alors ça me branche sur un autre truc. Alors je te dis pas que méditer c'est pas la solution, hein. Parce que déjà l'information pour toi c'est créer ton propre modèle. Arrête de suivre ce que les autres disent à l'aveugle, de manière comme si c'était encore une fois comme si c'était Moïse qui t'ouvrait les os, hein, encore une fois. Ok. C'est toi qui as le bâton de pouvoir, c'est toi qui as le bâton de Moïse. Voilà. Donc en fait. C'est toi qui peux ouvrir le chemin. Et il n'y a que toi qui peux l'ouvrir parce que personne d'autre à part que toi ne peut le faire. Vu que les autres ne sont qu'un reflet. Mmh. Encore une fois. Pardon. Mais oui. Pour le créer, pour créer ce cadre par moi-même et qui me correspond, il faut que je fasse taire mon mental peut-être pour avoir peut-être plus de. Alors, le mental, tu le crées, tu dis créativité, donc on est bien sur la même énergie. Quand je disais tout à l'heure qu'on capte tous les infos, oui. Il y a deux manières de faire taire le mental et en fait d'arrêter de s'identifier aux pensées précisément. Soit tu passes par l'intérieur, tu commences à méditer, sachant qu'il y a plein de formes de méditation. Hein. Il n'y a pas que la méditation assise en tailleur, etc. Et du coup, tu vas à l'intérieur et tu contactes l'expérience du silence, on va appeler ça comme ça, pour plus de commodité. Ou alors, tu vas à l'extérieur et en faisant les actions, tu vas atteindre le silence. Comme lorsque, je ne sais pas, tu regardes un paysage, en fait, tu es bouche bée. C'est juste, waouh, et il n'y a plus rien, plus aucune pensée. Ou alors que tu es en train de peindre ou que tu es en train de, je sais pas, regarder tes enfants qui jouent, ou ce que tu veux, et en fait, il n'y a rien si ce n'est l'amour, rien si ce n'est l'attention à la scène, sans « Ah bah, il faut faire à manger. Ah bah, il faut faire ça. Ah bah, rien. » Et bah, ça, c'est un la méditation est un état, pas un acte. Oui, ça... Pour te donner une clé de ce que c'est. D'accord. Donc, ça, j'ai déjà expérimenté.
Ok. Et je me suis déjà rendu compte que oui, j'avais des choses qui me venaient. Voilà. Par ce biais. Donc, les solutions, déjà, tu les as. Parce que si tu en as fait l'expérience, ça veut dire que c'est pour toi. Oui. Donc là, poser le cadre, c'est dans le cadre de ta vie, ton quotidien, en fait, avec ta famille, tes amis, etc., etc., c'est poser les moments pour toi. Les moments où tu n'es pas dans un sacrifice, dans un « je dois », dans un « il faut », comme si tu devais tout porter, tout gérer. Mais tu me résumes, là, en fait, là. Il faut, je me dois, le jugement à fond. Alors, c'est mon métier, hein. Je fais ça, du coup. Ouais, je suis pas sûre. C'est comme si tu faisais un pompier. Waouh, ouais, mais t'as éteint le feu. Bah ouais, j'ai une lance à incendie. Et j'ai un camion et j'ai des collègues. Oui, c'est compliqué. Donc en fait, je comprends que ce soit surprenant pour quelqu'un qui n'est pas d'habitude, mais lire en l'autre, enfin, c'est pas vraiment toi, c'est vraiment comment tu fonctionnes à un niveau profond. C'est tout. Hein. Donc, le fait que tu régisses ta vie, c'est du mental. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de repères bien clairs, bien précis, pour éviter de tomber dans quoi ? Tomber dans le vide, le thème de la soirée. Donc, du coup, yes, la solution. Je suis dans le club. T'es dans le club, bienvenue. Bienvenue. Ouais, bah bon. Donc, en fait, une piste pour toi, pour ne pas dire la solution, c'est la création. Et donc, de créer des espaces, des îlots qui sont pour toi et dans lesquels, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne sais pas par avance, parce qu'il n'y a pas de « je dois », il n'y a pas de « il faut ». Bah, c'est ça que j'ai comme un barrage en moi. Mmh. C'est bien pour ça que c'est la solution. Et c'est bien pour ça que tu vois que c'est la solution. Parce qu'il y a un barrage qui te dit, enfin qui te dit, qui soit ça te freine, soit te fait « non, ne fais surtout pas ça », soit te fait « non, mais il y a trop d'autres trucs à faire, plus important ». Tu vois ? Ouais, mais attends, j'ai jamais... Enfin... Créer des moments pour toi. Oui, c'est des moments pour moi, genre... Des moments pour toi, bain, alors... Quoi. C'est ça ? Des choses comme ça ? T'as dit quoi ? Prendre un bain, par exemple, préparer un bain pour moi, c'est pas... Bah ouais, ouais, c'est... tu vis en famille, il y a, je sais pas, ton mari ou tes enfants qui sont grands ou peu importe. Mm-hmm. Là, ce soir, vous vous débrouillez, vous m'oubliez, c'est ma soirée. Ah bah ça, c'est ce que je leur ai dit, là. Donc ça, ah bah, c'est bon. Voilà. J'ai bah, créé. Tu vois, ça, c'est créé. Ok. Non, mais j'imagine avant créer. Même que je te verbalise le truc, tu étais déjà branché sur la bonne information. C'est en ça que tu as l'autonomie et que tu as le bâton de Moïse. Hein. Tu as le bâton de pouvoir. Je vois bien que tu as avant même que je ne suis pas le sauveur, je ne suis pas super Yuri Samuel. Je suis juste là à te verbaliser quelque chose que tu as déjà acté. Tu vois ? D'accord. Ouais. Et donc, ça va... Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Créer des bulles de « c'est pour moi », ça se fait aussi en présence des autres. Donc, au cœur de tes relations, que ce soit avec tes enfants, avec ton mari, ta famille, tes amis, tes collègues. C'est quand est-ce que tu dois poser la limite ? Quand est-ce que tu peux... à quelle taille est la limite ? Comme si tu traçais un cercle dans le sable de la plage. Est-ce que je fais un cercle de 10 mètres ? Est-ce que je fais un cercle de 10 cm ? Est-ce que c'est un cercle d'un mètre 50 ? Et est-ce que la limite est totalement hermétique ? Ou alors est-ce que je laisse filtrer ? Et laisser filtrer, c'est ouvrir un pont de communication et un pont de relation avec l'autre. Et ça, ça se détermine en fonction de tes besoins dans la relation. Et donc, à partir de là, on est sur du légitimer tes besoins. Sans forcément les avoir mentalisés avant, mais en te fiant à ton ressenti dans l'instant, du mieux que tu peux avec les outils que tu as. D'accord. C'est bizarre parce que ce que tu me dis, ça me parle. Mais j'ai l'impression de l'appliquer déjà un peu, non ?
Ah, mais ce que je dis, ça ne veut pas dire que tu l'appliques pas. Bon, après, peut-être que j'ai restreint depuis mon cercle, parce que je me suis mis un peu en retrait depuis fin d'année. Mmh. Donc, j'ai coupé un t'as peu. T'as besoin d'action, t'as besoin de mouvement. Non, mais là, t'as oui, besoin de... là, j'en peux plus, là. T'as besoin d'éclater ces trucs qui t'en servent, ce cadre, ces petits cadres qui t'en servent trop. Et mais c'est ça, quoi faut... ces cadres ? Alors, pardon. On pourrait aller sur ce chemin en essayant de faire « Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça » ou alors il y a en fait simplement mais à partir de ton feu intérieur, fais fondre ces cadres dans ton quotidien. Donc à partir de tes besoins, du feu de tes besoins, de tes pulsions, crée des espaces de liberté seul, type « la soirée, c'est pour moi ce soir » ou en présence des autres dans la relation, créer un espace de liberté pour ce feu de ses besoins. D'accord. Après, ouais, ok. On va quand même un peu aller voir le côté pourquoi il y a ces cadres, parce que autorité patriarcale. Si je dois résumer, l'autorité suprême. En fait, pour ta psyché, il y a une autorité suprême qui est indétrônable. Et c'est elle qui donne la direction. C'est pour ça que je disais Moïse en blaguant, mais finalement, ce n'était pas tellement une blague que ça. Hein. Oui, oui. Oui, bah, c'est pas faux. J'ai un père très autoritaire, strict, éducation très stricte. Et donc, c'est là où tu te... Quelque part, tu te... En fait, pour ta structure, tu n'as jamais vraiment quitté le bain familial. T'as bien pris ton indépendance. Ouais. T'as ta famille, ton job, etc. etc. Mais il y a un bout de toi qui... En fait, l'inconscient n'a pas d'âge, je te le dis autrement. L'inconscient n'a pas d'âge. Mmh. Donc, il y a un inconscient bloqué à l'âge d'un an. Il y a toutes les expériences que tu as vécues à l'âge d'un an. Il y a un bout de ta structure qui est bloqué à 15 ans et demi. Et tout ce qui s'est passé l'année de tes 15 ans et tout ce que tu en as déduit. Il y a une partie de ta structure qui est bloquée avant ta naissance lorsque tu n'avais même pas de corps. Il y a un bout de ta structure qui est fœtus dans le ventre de sa maman. Mmh. Et donc tout ça, ce sont des niveaux de choix qui ont encore de l'influence à l'heure actuelle. Donc en fait, et là je dis un truc assez important pour toi, l'objectif n'est pas de s'exciter sur le reflet du miroir. Mmh. Donc n'est pas d'essayer à tout prix d'avoir des solutions pour ci, pour ça. Ah, il y a une trace dans le mur, je vais l'effacer. Pourquoi t'es attiré vers la méditation ? Parce que c'est une notion d'être et de laisser faire. Bravo Véro, elle m'a targeté elle aussi, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. C'est dingue, hein. La méditation ressort à chaque fois, et ouais, pour moi, a priori. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est de l'être. On ne te dit pas de faire de la méditation. Même si on dit faire de la méditation, c'est pas le bon auxiliaire. Pas le bon verbe. Pas le bon verbe, merci. Oui, c'est vraiment être, ressentir ouais. dans son voilà. corps, dans ce qui se passe. Voilà, et ça, tu peux le faire. Quand tu es seul dans ton bain, quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec tes collègues, quand tu es en famille. Oui, alors collègues, non. Ressentir. Pardon. Tu peux le faire tout le temps parce que c'est un choix de te retourner vers toi et de voir qu'est-ce que ça ressent lorsque je tourne mon regard à l'intérieur, au niveau émotionnel, peut-être au niveau aussi mental, c'est OK. Au niveau des ressentis physiques. Ah tiens, là, j'ai un mal au coude. Ah tiens, là, j'ai un truc gobide. Là, tiens, là, j'ai de la colère, etc., etc. Eh ben, ça, franchement, c'est ça que j'ai besoin de repères pour comprendre d'où je voulais comprendre ma structure, en fait. Enfin, comment je fonctionnais, d'accord. Comment je marchais. Et par exemple, j'ai essayé lundi, c'était lundi, hein, Véronique, mm-hmm. où là, je ressentais... Mais elle a mis des mots. Et là, j'ai compris, en fait. Je les vivais encore mieux parce que je ouais. savais les identifier. Et c'est ça que j'ai besoin. La prochaine étape pour toi,
c'est de comprendre par toi-même. Pourquoi je dis ça ? Parce que ta structure, elle est câblée sur le principe de liberté. Tu n'as pas eu la liberté d'exprimer tes ressentis. C'est pour ça que c'est « Ah, mais c'est ça !» Et là, tu es dans la phase où, oui, t'as besoin, c'est un jeu où tu as besoin de l'autre, où tu dis « Ah, mais oui, c'est ça ce que tu dis, ça correspond. » Et donc, tu joues à ce jeu-là. Ouais. Simultanément à ça, il y a pause aussi petit à petit le fait de, par toi-même, aller dire « Ah, là, ce que je ressens, est-ce que c'est de la colère ? Ah, j'ai pas l'impression. » C'est, je sais pas, je crois que c'est de la révolte. C'est le fait de verbaliser un ressenti, c'est salvateur. C'est quelque chose qui te permet d'identifier ce qui se passe, de rendre net ce qui était flou, et donc de pouvoir, toi, accepter ce qui est devenu net. Donc, on va dire la colère. Ah, c'est de la colère contre mon père. Bref. Eh ben, là, tu es, lorsque tu rends net ta colère, eh ben, c'est comme si tu avais l'objet devant toi et tu peux le tourner à 360 degrés pour voir comment est ta colère. Quelles sont les couleurs, quelle est la forme, quel est le poids, quelle est la densité, quelle est la texture de ta colère. Et là, rentrer dans une notion d'acceptation de soi. Total. Mais ça, c'est un processus, et pas un objectif. J'insiste. Cesse d'être dans les objectifs, parce que ça, c'est purement patriarcal. Ouais, c'est, il faut bien travailler à l'école, il faut que tu sois médecin, il faut aller faire l'université. Ah, c'est exactement il faut faire ça. Il faut faire ça. Et rentre dans une notion de processus. Et c'est là où tu vas reconnecter ce que c'est la féminité pour toi. Ok. T'as des conseils pour ce processus, en fait ? Je sais que je dois l'apprendre par moi-même et donc les ressentir, mais comment mettre des mots. Véronique, elle m'entendrait, elle me tuerait. Hein. Bon, c'est mental. Comment mettre des mots qui correspondent, sachant qu'on n'a pas l'identification ? On a les ressentis, mais... C'est un jeu avec la matière. Ce qui vient là, c'est direct jouer avec la matière. Donc, c'est-à-dire, c'est grâce aux situations extérieures, tu vis une situation avec ta famille ou tes enfants. Alors, après, c'est comment en parler avec la bouche. Donc, en fait, c'est accepter l'échec. Ça fait partie aussi de mes... La peur de l'échec. Parce qu'il faut que ce soit comme ça. C'est la vérité patriarcale. C'est Dieu le Père qui l'a dit. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu vas aller en enfer. Attention, Marie. Non, c'est les... Oui, c'est ça, l'exigence. Et donc, elle est toujours là. Donc, il y a une exigence, tu l'as bien dit, et tu es sur la bonne information, à dire le bon truc. Il n'y a pas de bon truc. Il n'y a pas de bon truc parce qu'il n'y en a pas de mauvais. Oui, okay. Donc, du coup, c'est petit à petit, sort de la logique de il y a un bon, il y a un mauvais, il y a un vrai, il y a un faux, et amen, quoi, tu vois. Ok, ouais, si tu veux. Donc, c'est l'expérience pure. Pour apprendre à marcher, on s'est ramassé un nombre incalculable de fois pendant sûrement des semaines. Pour faire du vélo, c'est pareil. Quand on a appris à écrire, c'était du tâtonnement. En fait, il y a déjà l'exemple sous nos yeux, sauf qu'il y a une telle pression patriarcale, mentale, rigide, pour nous dire ça c'est vrai, ça c'est faux, qu'au fur et à mesure des années, on se rigidifie jusqu'à ne plus avoir de quoi respirer un mètre cube d'air, tu vois. Un centimètre cube d'air. Donc du coup, c'est pour ça que je te disais au départ, lâche le cadre. Enfin, dans le cadre, pose ta liberté. Autant, ce soir, c'est pour moi, me dérangez pas, que dans un cadre avec ta famille, avec tes collègues, avec tes amis, autorise-toi à exprimer. Pose un cadre de liberté. Et l'expression, c'est aussi
l'action, c'est pas que le blabla mental. L'expression de soi, ça englobe le corps et l'esprit. C'est les deux. Donc en fait, je te dis ce que j'avais dit à Pierrette, échoue consciemment. Oui. Tâtonne. Donc quelque chose tâtonne. Que je sais, que je connais. C'est, ah tiens, là j'ai l'impression que c'est de la colère. Et le fait d'être en lien avec l'autre et d'exprimer ton intérieur, c'est aussi, c'est un challenge pour toi. Mais c'est salvateur aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Je resterai là toute la soirée, mais je vais laisser la place. Bon, t'inquiète pas, tu vas avoir des résonances avec les autres. Il n'y a pas de souci. Ah, mais c'est clair, hein, on fait tous miroir. Hein. Comme quoi, ouais, tous un. C'est ça qui est magique, c'est que toutes tes structures se répondent, tous les individus et leurs casseroles et leurs ressources viennent se rencontrer avant même qu'on discute. Et ça ne loupe jamais. C'est clair. Merci infiniment. Avec plaisir, Marinelli. J'étais ravie de faire ta connaissance et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, salut. Au revoir, bonne soirée à tous. Alors, je vais voir ce qu'il y a dans le chat. Oui, bon, ouais. J'espère que ça s'est arrangé ton truc au corona, là, Véronique. Qu'est-ce que ça dit d'autre ? J'avais vu un... Ah, oui. Tu veux pas investir dans une oreillette ? Bah, non, ça va. Je vais pas investir dans une oreillette pour vous avoir en direct. Surtout toi, tu vas me dire des conneries. Alors, je remets les compteurs à zéro et on est parti avec Mimi. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Voilà, je t'appelle car j'ai un petit souci. On t'appelle que pour ça. En fait, j'ai l'impression que j'ai le cœur qui est fermé. Je suis mariée. Je suis pas malheureuse. Mon mari, voilà. Mais j'ai l'impression que le problème vient de moi et que j'ai du mal à ouvrir mon cœur. Et j'ai l'impression qu'il s'est ouvert à un moment donné, mais que je l'ai refermé par peur d'être blessée, je pense. Et depuis, je lutte là pour le réouvrir, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je travaille sur mes blessures pour savoir si ça vient de bien plus loin. Et du coup, je me pose des questions parce que je me dis, est-ce que je dois arrêter la relation ? Est-ce que je dois rester ? Ça, tout se mélange du coup dans ma tête. Ok. On va essayer de poser les choses petit à petit. Alors, ton cœur se ferme. Effectivement, je suis en train de toucher le manque de repères. Il y a une forme de non-confiance qui se... Alors, pas qui s'installe comme si c'était nouveau, mais qui se révèle. Et c'était quelque chose qui était déjà là. Okay. Il y a une non-confiance en l'autre. Pas forcément en ton mari, mais en l'autre dans le sens général du terme. Okay. Ouais, et c'est pour ça que tu te fermes. Il y a une partie de ton cœur qui se ferme parce que il n'y a pas la confiance réelle. Comme si tu devais, ouais, tu dois te protéger. Tu dois protéger tes arrières par toi-même. Voilà ce que ça me raconte. Tout n'est pas. Ok, bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, tout n'est pas rose. Et ça, tu es ok avec ce fait-là. Mais il y a quelque chose qui te chiffonne et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Comme s'il y a un jeu sous-jacent. Donc, il y a le jeu relationnel tel que tu le vis avec ton compagnon, avec tes amis, avec ta famille. Mais en même temps, il y a comme s'il y avait un jeu inconscient qui se jouait simultanément. Comme si tu disais, bah, ok, on joue au poker ou on joue à la belote. Et tout le monde est OK pour jouer à la belote. Mais par contre, vous jouez simultanément à un autre jeu et personne ne se dit ça. Personne n'avoue qu'on joue au poker. OK. Ouais, et il y a un inconfort réel. Je suis en train de toucher un réel inconfort. Plus je commence à gratter la surface, plus il y a un inconfort qui se pose. Mmh.
Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce qui est le chemin pour toi? Ça va un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce qui est le chemin pour toi? Tu es en train de te questionner sur quelque chose de très profond, donc une problématique que tu n'as pas encore résolue dans ta vie réellement et qui commence à peine à faire surface. Mmh. Parce que je t'ai parlé de confiance. Tu me parles que ton cœur se ferme. Tu as des émotions. Je suis en train de toucher une petite densité, un petit paquet émotionnel. Ah, ok. Tu vas pas au niveau de tes reproches. Tu vas pas dans les reproches. Et quand je dis reproche, ça veut dire cette forme de colère qui est là en toi. Ce grondement profond qui est là en toi. Donc en gros, il y a l'image de toi que tu présentes à l'autre et ce que tu ressens à l'intérieur, et ça, c'est deux jeux relationnels différents. Ok. En gros, je temporise et je laisse pas. Tu laisses passer les choses, tu temporises effectivement. Tu laisses passer les choses au lieu de poser ce dont tu as réellement besoin, c'est-à-dire ce grondement profond. Après, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu attends de l'autre qu'il fasse le pas, comme si c'était à l'autre de porter la responsabilité. Alors que l'autre n'est pas responsable de ce qui se passe en toi. L'autre n'est qu'une lampe torche qui vient éclairer tes sous-sols. Et dire, ah bah tiens, là il y a un cheval de bois. Ah tiens, là il y a un petit monstre. Mmh. Et toi, tu fais porter sur l'autre la responsabilité de la présence du monstre dans ta cave. Ok. Est-ce que ça déjà, ça te parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne en toi? Okay. Oui, déjà le fait que tu me dises que... Ben que je vais pas dire les choses pour ne pas mettre de l'huile sous le feu entre guillemets. Mmh. Donc du coup je vais temporiser pour calmer les choses parce que on a deux tempéraments qui fait que si je me lâche trop moi ça peut partir trop loin. D'accord. si on lâche tous les deux c'est mort. C'est ce que je disais tout à l'heure, derrière ce feu il y a un besoin. Derrière ce côté tout feu tout flamme. C'est il y a des besoins qui essayent d'être entendus et qui s'agitent. C'est comme si je te disais que le bateau est agité parce que la mer elle est agitée et que toi mm-hmm. tu ignores la mer, l'océan agité et que tu te demandes pourquoi le bateau est agité et que tu essayes de jeter l'ancre. C'est pas possible. Il faut juste il faut juste aller voir l'océan agité si tu veux. Donc aller voir ses besoins qui existent derrière ce feu, ce côté tempérament, tout feu, tout flamme dont tu me parles. Ok. Mais toi, tu vois pas que ça vient de l'enfance, tu vois vraiment que c'est quelque chose de... Alors, même si parfois je parle de l'enfance, pour moi, tout est dans l'instant présent. Ok. Comme je disais tout à l'heure, en fait, l'inconscient n'a pas d'âge. Okay. L'inconscient a simultanément à l'âge de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ans, et etc., etc., et même avant. Et tout existe maintenant. Donc, ça me renvoie vraiment à tes besoins. Ça me renvoie vraiment à ce que tu es capable de, pas forcément te faire exploser, mais être... Ok, donc on en revient à la base. Tu as peur de t'ouvrir. Mm-hmm. Pourquoi tu as peur de t'ouvrir? Parce que tu as peur d'exprimer tes besoins. Et que l'autre ne les accepte pas et qu'il y ait rupture. Que tu t'aperçoives lorsque toi tu poses un besoin et l'autre te dit « bah moi j'ai pas ce besoin-là »,
que d'un coup, bah, vos chemins se séparent. Et donc, on en revient à la crainte d'être laissé pour compte, d'être seul. Cette fameuse solitude qui pèse. Et donc, pourquoi tu édulcores, donc tu temporises ce que tu, la densité, le côté brut que tu as, parce que pour toi, si tu es brut, tu vas faire fuir l'autre. Donc, si tu es brut concernant tes besoins, si tu, on va dire, poses de l'exigence sur tes besoins, donc c'est-à-dire que ce soit des besoins qui ne soient pas négociables, tu as peur de ne trouver personne au monde qui corresponde à ces besoins. C'est clair. Bon, c'est pas facile d'être seul, hein, donc voilà. Ouais, et pourtant, c'est. Alors, je dis pas que c'est la solution pour toi, je m'en garderai bien. Ceci dit, le fait de. Parce que t'es pas obligé de tout détruire pour reconstruire. Hein. T'es pas obligé de faire exploser ton couple en vol pour pouvoir, toi, être seul. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que t'es toujours seul avec toi-même. Hein. Seul face à tes décisions. Seul face à tes ressources, seul face à tes impossibilités. Ok. Et donc, l'autre n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas sa part de responsabilité dans l'affaire. Mm-hmm. Mais l'autre, comme je le disais tout à l'heure, c'est une lampe torche. Tu vas à la cave, tu trouves une araignée, tu as peur des araignées. Est-ce que c'est la faute de la lampe torche ? Non. C'est même pas ta faute. L'araignée est là. Et donc, c'est pour ça que tu essayes de projeter la faute à l'extérieur parce que tu ne veux pas porter la responsabilité. Parce que pour toi, la responsabilité, c'est être fautive de, être coupable de. Et si tu es coupable, eh ben, tu vas être seul. On en revient vraiment à cette expérience de solitude. Okay. Ça, et en fait, il y a un truc qui te pèse. Et j'en reviens à ta question de départ. Pourquoi ton cœur se ferme à l'autre ? Parce que peut-être qu'il doit s'ouvrir à toi. Et à différents aspects de toi dont la solitude fait partie. Ok. Okay. Comment tu te sens ? Je vais dire un peu triste, mais bon, parce qu'au final... Non, parce que je me dis, j'ai l'impression qu'il faudrait que je passe par là à un moment donné. Ouais, en fait, au bout d'un ça moment. Ça m'attriste un peu quand même, je vais pas pleurer, mais bon. Au bout d'un moment, on peut plus fuir. Enfin, on peut toujours fuir. Éternellement, jusqu'à la fin de ta vie. Mais ça veut dire que tu vas à peu près rester au même stade dans ce thème-là, bah, jusqu'à temps que tu changes d'avis. Et donc, au bout d'un moment, cette solitude qui est hyper dense, en fait, comme si ça te faisait pouf, comme si c'était de la gravité puissance 1000, tu ne peux plus y échapper si tu veux vraiment changer les choses. Ouais. Donc, l'autre est un trouve de quoi être ton propre repère. Que justement ton intérieur soit un repère. Que l'autre, ta relation à l'autre, que ce soit ta famille, tes amis, etc., ton couple, tu les ériges au rang de repère absolu. Comme si c'était eux qui te maintenaient à flot. En fait, les autres sont des bouées. Qui t'évite de rentrer dans l'océan de tes émotions et de cette solitude, etc. etc. Ok. Et en fait, quelque part, te positionner, c'est ça. Ne t'oblige pas à vivre, vivre une relation, à être en relation, je ne sais pas, mais je pense à un truc hyper bateau, l'autre, la personne, une personne doit te parler. Si tu te sens pas disponible parce que tu vis quelque chose
de lourd en toi, tu as le, c'est ton droit naturel d'en parler et de dire, ben là, je suis pas en état. Ou alors, au contraire, que d'en parler parce que tu te sens en avoir besoin. Tu n'as pas à te sacrifier pour la relation. Ouais. Déjà, il y a ta relation avec toi à construire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire les deux simultanément. Ok. Ok. Bon, je pense que dans tous les cas, si ça doit s'arrêter ou continuer, bon, je pense qu'à un moment donné, on va me mettre dans une situation où j'aurais peut-être pas le choix. Donc. Tu vois, là, tu es dans une dynamique de j'attends que l'extérieur fasse, me mette au pied du mur, quelque part. Et si toi, là, maintenant, dans ta vie, tout de suite, sans rien, sans trop rien changer de manière fondamentale à ce qui se passe, que tu te mettais en priorité. Parce que c'est hyper important. Parce que tu mets sur l'autre la responsabilité, sur les autres, sur l'extérieur, la responsabilité de faire le choix à ta place, de te faire faire le choix. Alors que c'est à toi de dire, mais en fait, je choisis ça. Ok. Prends-toi dans les bras. Sois ton propre parent. Pose le cadre pour toi. Si tu as besoin de silence, bah, c'est silence. Mm-hmm. C'est comme si tu as soif et t'attendais, tu dis rien à personne et tu attendais que quelqu'un te propose un verre d'eau. Ouais, tu vois, tu risques d'attendre longtemps ou alors tu vas avoir énormément de chance que quelqu'un te tende un verre d'eau à un moment donné. Être son propre parent, c'est soit te lever pour prendre la carafe d'eau, soit demander à quelqu'un de te prendre de l'eau. Okay. Et il faut que tu sois clair pour dire je veux de l'eau. Si tu dis j'ai soif et que la personne te ramène un verre de vin, bah oui, tu peux lui crier dessus ou tu peux le sermonner. Mais c'est à toi d'être clair sur tes besoins. Tu vois ? Non, c'est clair. Non, c'est clair. Bon, faut que j'arrête de fuir et que je dise que j'exprime mes besoins et après. Ouais, mais vas-y, petit à petit. Après, on verra ce qui se passe. Voilà. Vas-y, petit à petit. Ne te malmène pas. Vraiment pas. Ok. Donc voilà, Mimi. Je te laisse sur ces mots. Merci beaucoup. Et bonne soirée à toi. Bonne Salut. Soirée. Alors, je le redis pour peut-être la dernière fois de la soirée. Donc, ceci est la dernière fois sur Zoom, Ceci est la dernière fois sur StreamYard. Donc, si à partir de la semaine prochaine, les webinaires se passera sur Zoom. Elle sera retransmise aussi sur YouTube. Mais si vous voulez me poser votre question, ça se passera sur Zoom. Donc, vous serez tous et toutes en caméra éteinte, évidemment. La personne qui veut poser leur question lève la main, rentre en direct avec minimum le micro et ou la caméra, et ensuite, on fait comme d'habitude. Oui, Véronique, ma chaîne a été bannie de YouTube la semaine dernière. Là, c'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée. Donc, n'hésitez pas à la fois, le plus important au-delà même de la chaîne YouTube, inscrivez-vous sur le mail. Parce que d'une, je vous envoie le lien Zoom chaque semaine, les deux liens Zoom, pour mes webinaires hebdomadaires. Donc, entretien avec l'unité le mercredi matin à 10h30, où il y a méditation guidée en musique, kirtan, donc des chants dévotionnels, et des partages sur la non-dualité, de ce que c'est,
des partages sur la réalisation du soi et des pratiques aussi, et sur cartographie de l'inconscient humain. Et aussi sur le nouveau webinaire que j'ai créé il n'y a pas longtemps, soirée partage et paroles libres, mais là c'est une fois par mois. En plus, je vous envoie des mails d'évolution. Ce sont des mails où je décris le labyrinthe de ma structure autour d'un thème. Donc en fait, je prends un thème qui me prend aux tripes en ce moment, je les couche sur papier de manière la plus brute possible, ce qui vous permet à vous de faire ce boulot de qu'est-ce qui résonne en moi, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau corporel, au niveau etc. etc., etc. Et de, du coup, je décris les clés que j'applique moi-même dans ma vie, ce qui vous permet de potentiellement faire la même chose, si ça vous parle. En plus, par rapport à tous mes ateliers collectifs, et mes ateliers tout court, en fait, tous mes ateliers collectifs, j'envoie de temps en temps des promotions qui sont exclusives aux abonnés des mails. Donc, par exemple, pour certains de mes stages en forêt, pour les stages en ligne que j'ai pas encore fait cette année, les conférences, etc., etc. Mais même pour l'atelier collectif chirurgie informationnelle, je vais créer des promotions que je vais envoyer par mail et uniquement aux personnes qui sont abonnées. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pourquoi est-ce que j'insiste fortement sur le mail? Parce que pour moi, c'est le moyen le plus privilégié pour créer une relation la plus privilégiée avec vous. Parce que c'est à peu près comme dans Soirée Partage et Parole Libre. Parce que dans les mails, je me mets vraiment au même niveau que vous. L'écrit étant une manière hyper douce pour moi de me mettre en relation avec quelqu'un. Parce que avant, vous ne m'auriez jamais vu sur YouTube, exprimer quelque chose par la parole, c'était impossible pour moi. Et donc, je m'exprimais beaucoup par l'écrit. Et pendant des années, je n'ai été quasi exclusivement à m'exprimer par écrit pour exprimer mes besoins, pour m'autoriser cette liberté d'expression. Aujourd'hui, c'est différent, parce que j'ai travaillé sur la question, il y a des évolutions, des prises de conscience qui se sont faites, mais l'écrit me manquait. Et aussi, l'autre raison, donc, vous voyez, c'est multifactoriel, l'autre raison, c'est que pour éviter un éventuel strike de ma chaîne YouTube, parce que perdre 1300 abonnés, compter uniquement sur YouTube pour mon activité, c'est pas de l'indépendance, c'est pas de l'autonomie. Donc, je prends le risque en faisant ça de changer la manière de faire, sachant que toutes les personnes étaient déjà habituées depuis 2 ans et demi, 3 ans à rendez-vous sur YouTube, StreamYard, etc., en accueil en direct. Et là, je change pour dire passer par mail. Et donc, c'est une innovation pour moi, et c'est une prise de risque pour moi, parce que je ne sais pas si ça va marcher. Et donc, je suis dans une espèce de flottement, d'espace de flottement entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où je ne vois pas encore les résultats. Voilà, flottement, doute. Donc je me laisse exprimer tout ça. Je me laisse vivre tout ça. Et donc voilà les pourquoi. Donc, vous voyez, il y a plein de raisons différentes qui me poussent à insister sur le fait de vous dire inscrivez-vous sur la liste mail. Donc toujours sur mon site internet. Et pareil, si vous avez des questions concernant mes ateliers, si vous voulez vous inscrire, sur les différents ateliers collectifs, c'est aussi sur mon site internet, le calendrier tout en bas de la page. Normalement, il y a toutes les informations. Et si vous galérez, si vous voulez me réserver une séance ou quoi que ce soit, envoyez-moi un mail, toujours, sur mon site internet. Alors, après tout ce blabla, et je devenais flou, je vais accueillir Cécile. Hello. Bonsoir, Cécile. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je t'entends plus. Ah. Tu m'entends? Ah mince. Ah,
Ça, c'est ballot. Ah, flûte, flûte. Ça, c'est ballot. Bah, je vais me déconnecter, reconnecter pour voir. Ok. J'attends. J'attends. C'est fou de recommencer à zéro quelque chose. Quand la semaine dernière, lorsque ma chaîne s'est crachée littéralement au sol, que tout a explosé, il y a une seule chose qui m'est revenue en tête à un moment donné pendant la soirée, c'est le poème « Tu seras un homme, mon fils », qui est pile dans ce que je vis, qui est vraiment... c'est marrant parce que je l'ai accroché au mur. En tout cas, je l'avais à un moment donné accroché au mur. Je l'ai décroché, il est dans mes papiers. Et c'est... ouais, c'est rageant, mais c'est comme ça. J'avais envie de changement. Je sentais que j'étais sur une vague de changement. Sauf que je savais pas que ça allait prendre cette tournure-là. C'est comme si j'avais construit une super maison de mes mains en matériaux bio, tout ça, et que je me dis ah mais ce serait cool que je fasse une extension ou que je change, et d'un coup il y a quelqu'un qui vient et qui met une bombe dans ma maison et qui fait tout exploser, et du coup je me retrouve avec plus rien. Donc à la fois c'est argent parce que j'ai perdu beaucoup de choses matérielles, parce que j'ai perdu toutes les ressources vidéo, etc. Mais en même temps, je n'ai pas perdu mes ressources intérieures, je n'ai pas perdu l'évolution que j'ai faite durant ces dernières années. Et c'est quand même un nouveau espace de jeu pour reconstruire. Ouais, bah, j'espère que c'est mieux après. Pour le moment, je suis dans le flou. Hein. Alors, Cécile est revenue, mais elle n'a pas encore connecté son micro, donc je ne peux pas l'accueillir en direct. Donc, je me retrouve à parler tout seul. Donc, elle s'est déconnectée, et donc je continue à parler tout seul. Tout va bien. Oui, d'ailleurs, merci pour ton mail de soutien à Sophie. C'est très gentil, ça m'a touché. J'ai failli en pleurer. Parce qu'il y a trois personnes qui m'ont envoyé un mail de soutien et j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est trop bon !» Merci, ça me touche. Cécile. Hello, tu m'entends ? Je t'entends. Et toi ? Oh, je vais devenir paranoïa de la technologie, quoi, c'est chaud. Et déjà, je voulais dire que je suis vraiment hyper contente de la séance de lundi, donc chirurgie informationnelle. Et voilà. Et sinon, donc, comme pas mal de gens qui sont passés, moi aussi, j'ai peur de la solitude et du vide. Même si j'ai l'impression de m'y être bien frottée quand même. Et justement, ma question concernait justement des problèmes récurrents. Oula, pardon, il y a mon ordi qui se. Des problèmes récurrents liés à justement mon ordi, des trucs comme ça, où j'achète du matériel par exemple pour enregistrer des choses, ma musique, et je me retrouve toujours avec le même constat de ah merde, bah j'arrive pas à installer le truc, ou tu vois, et finalement tourner en rond là-dedans, quoi, et du coup ça me maintient dans le non-progrès, je veux dire. Il y a plusieurs choses qui me sont venues. Demander de l'aide. Ouais. Parce que quand tu peux pas faire seul, bah autant demander à quelqu'un. Ouais, c'est clair. Ça peut sembler très basique comme réponse, mais au moins ça te met en lien. Ça te fait vivre un lien relationnel. Mm. Ensuite, il y a quoi ? Ok, tu prends le prétexte de l'extérieur, du matériel pour ne pas faire.
Alors, à moins que tu veux jouer de la guitare et que tu n'aies pas de guitare, et dans ce cas-là, effectivement, peut-être que ça va être compliqué. Mais si tu as la guitare et que tu ne joues pas de la guitare, et que tu dis, mais c'est parce que la guitare n'est pas accordée, bah soit tu apprends à l'accorder toi-même, soit tu demandes à quelqu'un pour l'accorder. Y a une peur de la joie. Encore, j'en peux plus. La crainte de la joie. Fear of joy. Ah, ça te le dit en anglais en plus. Non, 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 c'est moi qui fais style. Alors, c'est pas une peur, c'est tu te méfies. Toi aussi, tu te demandes comment je peux. T'as plein de nouveaux jouets et tu te demandes est-ce que je peux vraiment, est-ce que j'ai vraiment le droit de jouer avec mes nouveaux jouets? Mais bon, je vais dans un truc hyper compliqué. Bon, je sais pas ce que t'as comme matos, hein, mais demande de l'aide. T'as quoi comme matos concrètement? C'est pas compliqué. Hein. Jusqu'ici, j'enregistrais ma voix en chantant devant mon ordi. Je me suis juste acheté un micro, une carte son, un casque, quoi. Et c'est juste le logiciel que j'ai téléchargé. J'arrive pas à l'installer. Mais disons que si tu veux, c'est un truc de fond qui se rajoute sur le. Un truc un peu. Des micro-problèmes qui se rajoutent sur mon ordi. Et je me dis, mais bon, je fais quoi? J'efface tout, je réinstalle tout. Enfin bref. Et je me suis renseignée autour de moi, évidemment, pour trouver quelqu'un. Parce que là, j'ai plus l'énergie, en fait. Et je me dis, bon, bah, trouve quelqu'un qui sait bien faire ça et qui peut te. Ok. Ouais, donc c'est bien ça. T'as peur de jouer avec la matérialisation de ton désir. Ton désir profond de chanter, de t'amuser là-dedans, etc. Je crois que je vois que quand même ça s'ouvre plus qu'avant, tu vois. Les gens sont là, même pour me filer des coups de pouce. Mais je crois que derrière, il y a un truc de... Genre, tu dois mettre ton jean, mais tu sais pas, faut commencer par quoi, en fait, par les pieds, par le bouton. Et je crois que... J'adore. C'est un truc comme ça, je fais quoi d'abord je vais d'abord des baquettes ou non, j'y vais, je vais carrément sur scène ou qu'est-ce que je... Quoi? En fait, ton désir, c'est quoi? Reviens à ton désir, en fait. Ah, voilà. Au-delà de... C'est quoi ton désir, tout court? Voilà, là, ça m'a dit d'abord jouer sur scène, hein. Ben voilà. T'as ta réponse. Après, il y a le désir jouer sur scène et il y a là où tu en es. Ouais. Et donc, peut-être que c'est trop engageant pour toi de directement aller sur scène et que tu te fais vivre un labyrinthe, un chemin. Un petit chemin qui te mène à du coup, je vais acheter du matériel, je vais un peu m'entraîner, je vais demander de l'aide, jusqu'à ce que tu te sentes prête à. Mais en fait, mon désir, c'est d'aller sur scène. Donc en fait, c'est de la logique ce que je te dis. Si ton désir, c'est d'aller sur scène, commence à faire ce qu'il faut pour aller sur scène. Faire des scènes ouvertes, enfin, je sais pas si. Tu vois, il y a un désir, et donc matérialise ce désir dans la réalité ou vois ce qui correspond à ce désir dans la matière. C'est... En plus, il y a une autre personne qui peut t'aider. Thomas, je suis en cas de... Ok, d'accord. Donc, tu vois, tout arrive. Ça ne veut pas dire que c'est la solution. Mais
au moins, c'est un potentiel. Donc, en fait, vraiment, c'est un choix. Il n'y a que de la joie parce que ce soit que ce soit enregistré ou aller sur scène, dans les deux cas, tu réalises une partie de ton désir. Ouais, de toute façon, ça va dans la même direction, quoi. C'est une autoroute. C'est une autoroute. Mais je crois qu'il y a aussi derrière, parce que forcément, ça veut dire accepter qu'on me regarde. Ben, dans tous les cas. À moins que tu laisses tes enregistrements sur ton PC à dormir, si tu les mets en ligne, forcément, les gens vont les écouter. Si tu dis que tu chantes, forcément, quelqu'un va te dire, vas-y, chante-moi un morceau. Mais genre un vieux truc avec le regard, le regard, quoi, qui est un peu difficile. Donc, désir, ton désir, c'est d'aller sur scène. Va dans des scènes ouvertes. Mets-toi en lien avec des gens qui sont... chante avec des gens. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Tu peux très bien te concentrer sur les perturbations pendant 10 ans, si tu veux. Ouais, c'est ça. Genre, si quelqu'un, je lui demande un truc et qu'il ne me répond pas... En gros, ça sert à rien de focaliser dessus et juste voir d'autres moyens. Ouais. Ouais. Suis le désir. Suis le désir. Ton désir est sans forme. Tout désir est sans forme. Personne n'a jamais vu un désir. Et par contre, le désir que tu as se manifeste à travers la forme, à travers les gens, à travers les situations. Donc, suis le fil. Suis les petits poussets. Suis les cailloux du petit pousset. Et c'est quoi mon truc de se méfier de ma propre joie, quoi? Ça, c'est une perturbation. Ah, pareil, ok. C'est que, encore, bon, ça veut pas dire que c'est pas utile d'aller voir. Mais... Ouais. C'est pas le chemin, quoi. C'est là, on n'est pas sur cette thématique ce soir. D'abord, il y a Nelly qui dit, Marie-Nelly qui dit ça, c'est le pouvoir de l'attraction. C'est au-delà de juste une attraction. Tu crées à partir de rien. Le désir, tu ne sais pas d'où il vient. Ouais. Tu ne sais pas d'où il vient le désir. C'est j'ai envie de chanter. Pourquoi d'où ça vient on ne sait pas. Et c'est à partir de ce désir, tu vas créer des situations. Tu vas créer des relations, tu vas créer des actions, tu vas créer des choix. Et plus tu suis le désir, eh bien, parfois, oui, tu vas tomber sur des résistances à ce désir, c'est normal. C'est bien pour ça que tu sais que tu es sur le chemin du désir. Ouais, c'est ça, hein. C'est toujours le package qui vient avec son caillou dedans, quoi. Voilà. T'as une chaussure, t'es en randonnée, et à un moment donné, tu vas avoir un caillou dans la chaussure. Au moins une fois. Ouais. Faut que j'en achète. Donc, faire obstacle à ta joie, c'est te focaliser sur ce qui te résiste, ce qui résiste à ta joie. Ouais, donc en gros, si je marche et que je croise, un camion Ben, faut juste que je prenne la route d'à côté et que je continue mon chemin. En fait, t'es même pas obligé de suivre le chemin. T'as 1000 directions dans 360 où tu peux aller. Donc en fait, il y a toujours un espace libre et qui va correspondre à ce que tu veux. Donc là, c'est clairement, tu te fixes sur ton besoin, ce que tu veux pour toi, chanter sur scène. Qu'est-ce que j'ai comme ressource matérielle, comme ressource intérieure? Qu'est-ce qu'il me faut comme ressource matérielle extérieure et comme ressource intérieure? Ouais. Ce que tu as, tu l'utilises déjà pour créer. À ce que tu n'as pas, tu vas l'acquérir en chemin. Tu vas essayer de le trouver. Ouais, j'essaye. Je me sens là. Donc, il y a des groupes Facebook qui existent sûrement. Il y a
même si tu te considérais comme pas bonne chanteuse, il y a sûrement plein de vidéos YouTube qui peuvent te permettre d'apprendre. Il y a plein de profs particuliers qui existent. Mais t'inquiète, j'ai déjà une prof. Donc, tu vois, t'es déjà en marche vers ton désir. Bah, ça fait longtemps, hein. Et longtemps. Enfin... Légitime ton désir. Légitime ton désir en le matérialisant. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut pas dire nier ce qui résiste et dire non, il n'y a rien qui résiste, il n'y a que la joie, il n'y a que... Non. C'est prendre en compte la globalité. Ouais, accepter que ça fait partie du lot, quoi. Ça fait partie du jeu, ouais. Désir, un désir informe crée la forme. La matière est un désir de l'unité, d'avoir de s'explorer à travers la multiplicité. Et bam, on est là. Ton désir de chanter sur scène crée des relations, ta prof, l'achat de ton matériel, le fait que tu galères et que tu cherches des gens. Mais le focus, c'est ton désir. Ouais. Et c'est là où tu transcendes l'ombre et la lumière. Waouh. Ah, c'est beau. Mais ouais, ça me fait une émotion. C'est vrai, ouais. Ouais, du coup, on arrête d'être dans le... Ouais, dans l'action, quoi. En fait, t'es simultanément, ouais, à l'extérieur, à mettre en mouvement ton désir, à le matérialiser, et, ou à suivre les pierres qu'il te met sur le chemin, à reconnaître ton désir dans telle situation, telle autre, ou ne pas le reconnaître, à dire non, c'est pas ça mon désir. Et simultanément, t'es à l'intérieur. À reconnaître ce que le désir te fait, prendre conscience. Autant de manière positive que négative. Donc les résistances, etc. et les trucs cool. Ok. Ouais, j'avais tendance à me dire, ah, non, si j'ai des problèmes techniques, vraiment la gomme, c'est que je reviens dans mes travers et que j'avance pas, quoi. Tu vois, mais en fait, c'est une des entourloupes de... Ouais. C'est un des écueils. C'est un des écueils, si tu veux, de l'humain, pour pas dire de l'ego, parce que bon, c'est une des entourloupes de l'humain, et je le vis aussi en ce moment avec tout ce qui m'arrive, c'est... Ouais, ça se rejoint. Ça se rejoint, mais grave. Ouais, grave. Tu vois, c'est parce que on ressent des sensations que j'ai eues, que t'as eues des années avant, moi des années avant aussi, et ouais. Ben, je me dis, ah bah ça y est, je suis retourné. Mais en fait, peut-être pas. En fait, c'est... Je suis pas la même qu'il y a 3 ans, et t'es pas la même qu'il y a 5, 10, 15 ans, ce que tu veux. C'est pour ça que l'information prioritaire, c'est maintenant, désir, focus. Ouais. Et que le reste est une histoire qui se raconte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre en compte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je vive mes turbulences, que toi, tu ne vives pas des tiennes, mais quel est le désir clair, limpide, évident? Et après, tu, sachant que c'est l'évidence même, le désir, eh ben, tu suis la lumière de l'évidence. Suis la lumière de l'évidence. Qu'elle te mène en toi, dans tes profondeurs, ou à l'extérieur de toi, à travers le monde et les mondanités. Suis la lumière de l'évidence. Ouais, ça me fait ressentir de la joie. Ah, ben on y est. J'adore. Ouais, c'est drôle parce que j'ai parlé à un gars que j'ai vu jouer justement et je me suis dit, bon, t'as peur de jouer toute seule, bah t'as qu'à trouver quelqu'un pour jouer. Et c'était trop drôle parce que je suis juste allée le voir 5 minutes, j'avais trop la trouille et je lui ai parlé.
Et lui, il me dit, ouais, d'accord, ok, il avait la trouille aussi. Et je me suis dit, bon, bah, tu vois, c'est drôle, en fait, on a tous trop la trouille. J'avais l'impression d'avoir 12 ans, comme quand tu es au collège et que tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas pour lui dire que tu l'aimes bien. Ouais. C'est trop marrant. Ouais, non, ça parle grave ce que tu dis, effectivement, c'est ça. Tu vois? Ah oh ouais, hein, s'il te plaît. Tu veux bien sortir avec moi? C'est horrible. Et ouais. Donc, laisse-toi traverser par les turbulences, en fait. C'est pas forcément de les résoudre. Ouais. D'accord. Ça peut être une bonne stratégie comme une mauvaise stratégie, mais ça, c'est au cas par cas, on peut pas savoir. Peut-être qu'il y a, oui, effectivement, à aller explorer un peu plus en profondeur cette résistance, parfois pas. L'essentiel, c'est le désir, la lumière du désir. Te focaliser sur le désir et où est-ce que le désir irradie, dans quelle direction. Donc, et comment tu peux le reconnaître dans la vie quotidienne et comment toi, tu peux le matérialiser dans la vie quotidienne à travers tes choix, tes actions. Voilà, à peu près. Ouais. C'est déjà pas mal. Bah ouais, non, c'est bien. Mais c'est une grande leçon, enfin, même pour moi, c'est une grande leçon, parce que je suis dans mes marasmes, je suis dans mes trucs. Et on a tous nos thèmes de prédilection en ce moment dans nos vies. Mais l'essentiel, c'est mettez le doigt sur votre désir. Et sachant que mettre le doigt sur ce désir, sur son désir, ça ne fait pas forcément en claquant des doigts. Ah ouais, non. Il y a peut-être un processus. Parfois, oui, ça arrive comme ça. Et c'est l'évidence de l'évidence qui arrive comme par miracle. Parfois, c'est un processus. Et donc là, on retourne au tâtonnement, à l'introspection, au fait d'explorer le labyrinthe de comment on est à l'intérieur, de sa structure, le jeu des discussions, des relations, des choix, etc., etc. Et on essaie. Mon désir, c'est ça. Et c'est l'évidence. Ouais. Avec ça, on est bon. Super. Bah merci. Je suis contente que mon téléphone m'ait quand même laissé de parler. Je sais pas ce que mon ordi me fait. Ouais, la technologie n'est pas contre toi, t'inquiète pas. Non, et j'ai vu que de plus en plus dans cartographie, le matériel des gens vient illustrer complètement leurs questions. Ouais. Donc, je vois bien qu'il n'y a pas que moi. Oui. C'est la matière, c'est le reflet. Donc, quand tu fais lève la main droite dans le reflet, le reflet lève la main droite. Ouais. C'est fou. Cool, et ben merci à toi et bonne continuation. Merci, bonne soirée à toi. Salut. Cécile. Bye. Alors, je flippe parce que maintenant c'est la fin de la soirée et parce que après je vais bien avoir une semaine entière pour rentrer dans mes scénarios, dans les histoires que je me raconte concernant la semaine prochaine. Est-ce qu'il va y avoir des gens? Mon Dieu, j'en tremble d'avance. Ok. Les mots-clés. Donc, la soirée était hyper cool, ça m'a fait plaisir. Petite crainte qu'il y ait encore un troll qui vienne. J'avais l'ombre d'un troll derrière moi. Mais bon, tout s'est bien passé, je touche du bois. Vraiment, dernière soirée sur StreamYard. Dernière soirée en mode avant le mail, avant l'ère du mail. Ouais, Véronique, je vais suivre les petits cailloux de mon évidence à moi. Et après, je vais vivre les perturbations. Comme je les ai vécues ces derniers jours.
Et puis voilà. Donc, merci encore d'avoir été là. Merci de vos inscriptions par mail, de vos inscriptions sur la, sur les mails privés, sur la chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas, chaque semaine, je vous envoie un ou deux mails. En fait, je ne sais pas combien de mails je vais envoyer par semaine. Pas cinq, ça c'est sûr. Hein. Mais peut-être un, deux mails, je pense, ce serait correct. Dans lequel il y a à la fois, je vous décris ce que je vis en ce moment. Je vous décris et décrypte les clés que j'utilise. Quel labyrinthe ma structure me fait emprunter. Ce qui vous permet à vous de, par résonance, voir ce qui vous va, voir ce qui est juste pour vous. Ensuite, dans ces mêmes mails, je vous envoie les liens Zoom pour participer au webinaire, que ce soit cartographie de l'inconscient humain, que ce soit entretien avec l'unité ou soirée partagée parole libre. Et en prime, pour les abonnés des mails, il y aura des promotions, des tarifs préférentiels. Respire, Samuel. Des tarifs préférentiels sur mes ateliers. Donc, voilà. Je suis très content de pouvoir... En même temps, j'ai des résistances, mais je connais la lumière de mon choix. Je connais la lumière de mon évidence. Donc, je m'en remets totalement. J'ai des résistances, mais je sais qu'écrire me fait énormément de bien. Donc, voilà. Alors, bon, il est quelle heure ? 21h48, c'est parfait. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine sur le premier Zoom du matin, entretien avec l'unité. On commencera avec... sûrement la méditation, j'en sais rien, je vais voir. Soit je commencerai par la méditation, soit par le satsang, soit par le kirtan. Et pour le soir, toujours sur Zoom, via Zoom, toujours, pour cartographie de l'inconscient humain. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus tard. Salut.